Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu de stream, plus précisément sur Dungeon of the Endless. C'est Monsieur Yotsuya, j'espère que vous allez bien. J'avais envie pour aujourd'hui de démarrer une nouvelle run sur cet excellent roguelike créé par les studios Amplitude, notamment les créateurs de la série Endless Space. On les connaît surtout pour ça. Donc voilà, c'est un petit roguelite en mode pixel art que je trouve vraiment excellent, mais vraiment excellent. Il y a beaucoup de challenges à relever, même si il n'y a que deux niveaux de difficulté. Je peux vous assurer que pour aller au bout du run, il faut en vouloir. Donc voilà, ça me tenait à cœur de démarrer un nouveau stream et une nouvelle run sur ce jeu. Donc, eh bien, on va essayer de faire ça ensemble. Alors, c'est quoi le but du jeu? Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on doit gérer un groupe de prisonniers qui s'est écrasé sur une planète à la suite de l'attaque de leur vaisseau carcéral qui devait les emmener dans une prison lointaine au milieu de la galaxie. Et alors attendez deux petites secondes, je vais peut-être régler ça, sinon je vais t'embêter sans arrêt. Voilà. Il faut arriver à les faire survivre sur cette planète, en sachant qu'ils atterrissent dans une espèce de donjon, un labyrinthe rempli de créatures extraterrestres qui ne veulent qu'une seule chose, c'est les bouffer. Donc, il faut arriver à les mener comme ça dans ce labyrinthe, qui est en fait une immense tour, jusque au sommet de la tour pour qu'ils puissent être sauvés par un vaisseau médical. Voilà. Donc, c'est un peu le challenge. Et bien, ça va être, à mon avis, très intéressant de démarrer cette nouvelle run. Alors, on va jouer en mode. Alors, il y a deux modes, je vais vous expliquer. Alors, déjà, on va passer sur une nouvelle partie tout de suite. Hop! Donc, ça vous montre un petit peu ce qui va se passer. Voilà, le vaisseau carcéral est attaqué. Et donc, on se retrouve avec sur la page de menu, donc le vaisseau de sauvetage. Dans lequel on va pouvoir placer deux prisonniers, parce que c'est une capsule de sauvetage dans laquelle on ne peut placer que deux prisonniers. Et la première chose qu'il va falloir choisir, c'est le niveau de difficulté, avec un jeu qui va passer son temps à vous troller. C'est vraiment très humoristique comme ton dans ce roguelite. J'adore un petit peu le ton qui est employé. Donc on va commencer évidemment en trop facile. Même si j'ai déjà réussi le challenge une fois en trop facile, mais j'aimerais bien pouvoir essayer de battre mon record. Parce qu'évidemment, comme tout bon roguelite, il faut pouvoir battre son record, donc avoir un certain temps minimal pour pouvoir atteindre le dernier niveau. En sachant que donc dans cette tour dans laquelle il faut s'échapper, eh bien on a 13 niveaux à parcourir. Enfin 12 plus exactement. Et il faut arriver au troisième niveau pour pouvoir être sauvé. Et c'est vraiment pas facile. Même si voilà, le jeu dit que le premier niveau est un niveau trop facile. Bah, je peux vous assurer que c'est pas du tout le cas. Et donc le niveau facile, c'est vraiment un niveau très difficile. Donc on a le choix entre les deux. Et donc on va commencer par choisir le niveau trop facile. Bien évidemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que il n'y a pas de bonus ou de malus particulier avec ce mode de difficulté. Ensuite, on peut choisir différentes capsules. Alors là, pour l'instant, voilà, j'en ai débloqué une, deux, trois, quatre. Voilà, j'en ai cinq ici. Il m'en reste encore une à débloquer. Donc, on va pouvoir choisir les capsules en fonction de quoi? Eh bien, vous voyez ici, alors, si je mets sur une capsule qui est déverrouillée, déjà, ce sera mieux. Voilà, on commence avec un certain nombre d'avantages ou de malus selon le type de capsule que vous choisissez comme capsule de sauvetage. Hein.
Donc là, en l'occurrence, on a une petite note de la brochure de vente, de la capsule. Vous aviez peut-être une vie avant, maintenant vous avez un donjon, voilà. Comme ça, ça donne le ton direct. Alors, pas de module de nourriture, d'industrie ou de science au départ, ça c'est très difficile. Mode endless, la partie ne peut être gagnée. Voilà, le jeu passe son temps à vous troller, hein, je vous l'ai dit. Voilà, donc ça va être assez intéressant à faire. Alors, je sais pas quelle capsule choisir déjà dans un premier temps. Ici, que vous cherchiez à libérer, à contrôler, à sécuriser ou simplement à vous amuser, le vaisseau armuré est ce dont vous avez besoin. On commence avec 4 héros au lieu de 2. Certaines armes sont fournies au départ. Pas de héros supplémentaires dans le donjon, pas de module sauf la nourriture au départ. Aucun module d'attaque ou d'industrie ne peut être chargé. Alors en fait, le choix des différentes capsules de survie est intéressant quand on passe en mode facile. Plutôt que le mode trop facile. Parce que vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. Là, on commence avec 4 héros au lieu de 2. Donc forcément, c'est plus facile au départ. Ensuite, voilà. Consacré à votre bien-être pharmaceutique, cette capsule donc permet d'avoir des héros avec un nombre plus élevé de points de vie, des coups de soins réduits, pas de soins automatiques à la fin du tour. Ça c'est balèze par contre. ne pas avoir de soins automatiques à la fin d'un tour, parce que vous allez voir que c'est découpé en tours. La plupart des objets sont remplacés par des médicaments qui fournissent des bonus avec certains effets secondaires. Ok, les bonus de génération de PV provenant des compétences passives sont remplacés par des bonus de défense. Et j'espère que le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. J'ai eu du mal à régler ça. J'espère qu'on m'entend correctement. Sinon, faut pas hésiter à me dire s'il faut que je baisse ou pas le son du jeu. Et enfin, la capsule de base, on va dire. Donc pas de bonus ou malus particulier. Alors j'ai bien envie de recommencer une partie avec cette capsule là parce que je vais faire ça en mode trop facile. Comme je connais déjà un petit peu les difficultés du jeu dans ce mode là, je préfère ne pas avoir d'avantage pour que vraiment avoir un bon challenge à relever, en sachant qu'on commence avec deux héros. Hein. Mais évidemment, quand le jour où je déciderai de passer en mode facile, eh bien à ce moment-là je choisirai la capsule qui me conviendra le mieux. Mais pour l'instant, pour un premier run de découverte sur ma chaîne Twitch, sur ce stream, eh bien on va commencer, on va dire, comme des prisonniers de base qui commencent avec une capsule de sauvetage de base. Voilà. Alors attendez, je règle 2-3 petites choses. Hop. Voilà, j'espère que ça devrait aller comme ça. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ok. Donc, maintenant qu'on a choisi le niveau de difficulté et la capsule qui convient pour sauver nos prisonniers, eh bien, on va choisir les deux prisonniers qui peuvent occuper cette capsule. Alors, soit on le fait de manière aléatoire, donc ça rajoute évidemment une difficulté supplémentaire, soit on choisit parmi les héros que j'ai déjà déverrouillés, donc, comment est-ce qu'on les déverrouille? Eh bien tout simplement en les croisant à l'intérieur du donjon, parce qu'on peut les croiser. Et pour l'instant, je n'ai pas encore croisé tout le monde. Donc, il va falloir que je choisisse mes deux héros de départ, en sachant évidemment que chaque héros, hop, si je bascule dessus, voilà, a un certain nombre de caractéristiques, de points de vie, de vitesse de déplacement, de puissance de frappe, et de puissance, comment dire, pas psychologique, mais d'astuce, comme ils appellent ça dans le jeu, d'astuce, c'est-à-dire d'être capable de manipuler des objets à l'intérieur du donjon. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire. Et en plus, on a la bio, hein, de chaque perso. Alors, pour commencer, j'ai bien envie d'avoir un bon gros bourrin et un héros qui soit très agile, très rapide. Ça peut vraiment servir d'avoir les deux, de faire une espèce d'équilibre entre les deux.
Alors, voyons voir. Ok, alors celui-ci serait vraiment très intéressant pour la rapidité. Saranumas. Celui-là serait vraiment intéressant pour dégommer tout le monde. Il a pas mal de points de vie, je regarde par rapport à lui. Ces deux-là sont intéressants. Celui-ci, c'est une infirmière. Alors là, elle peut avoir des capacités de soins vraiment très intéressantes parce que, évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une consonance jeu de rôle extrêmement importante dans le jeu. Et évidemment, chaque personnage a en plus un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres, à savoir des pouvoirs actifs ou passifs qu'il va falloir gérer tout au long de la partie. Donc là, je commence à les connaître un petit peu, donc je sais à peu près ce qui va être utile, et l'infirmière peut être très utile. Mais par contre, voilà, vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de points de déplacement, de vitesse de déplacement, c'est un petit peu problématique. Je vais essayer d'équilibrer, d'avoir une équipe équilibrée. Voyons voir ici, Troé Pequeño. Il a beaucoup de force de frappe, beaucoup de vitesse malgré tout, et beaucoup de points de vie. Ça peut être sympa. Alors lui, il est très fort au niveau de la puissance et de la vitesse. Ensuite ici, puissance, vitesse également. Surveillant Mormiche, lui, il est très fort pour réparer. Elle, Midzi, Curtis, j'aime bien les noms, hein. Vraiment les noms sont très bien choisis. Elle a une grosse force de frappe, pas mal de points de vie. Lui aussi, c'est un bon réparateur. Lui, il est moyen en tout. Ouais, il a une bonne grosse arme aussi qui est intéressante au départ. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Kaspar Erab, c'est un héros moyen. Par contre, il peut avoir des capacités actives ou passives assez intéressantes à voir. Et ici, Karab Erab, bah, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, j'ai bien envie de commencer par Saranumas, qui est vraiment très bonne en matière de déplacement. Mais pourquoi pas prendre à la place de celui-ci. Alors, est-ce que je peux le gérer? Non. Si je vais enlever celui-là, voilà. Hop, je vais mettre peut-être ces deux héros-là. Quoique, elle n'a pas beaucoup de réparation lui non plus, ça peut être vite problématique. Vous allez voir à quoi servent les réparations dans le jeu, c'est vraiment vraiment important. Il me faudrait un héros capable de bien réparer et de bien frapper. Est-ce que j'ai ça? Lui, il répare beaucoup, mais il frappe pas énormément. Et c'est tout l'inverse. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de choisir. Ah, l'infirmière m'intéresse aussi pas mal. Hein. Ou alors. C'est pas facile là, de commencer avec deux héros. Faut vraiment bien choisir. C'est pas facile du tout. Au niveau des points de vie. Ouais, c'est pas facile. Je voudrais choisir un héros qui soit capable de bien réparer et de frapper, mais je trouve pas. Je ne trouve pas. À la limite, celui-là. Scroig, je sais pas comment on dit. Le mousquetaire mutant. Ça peut être intéressant de l'avoir, lui. J'ai bien envie de commencer avec ces deux persos. Et lui, on va le remplacer par... Alors, attendez, hop, faut que j'enlève celui-ci, que je me suis à la place. Voilà, c'est ça. Commencez par avec Saranumas,
qui est célèbre dans toute la galaxie comme chasseresse de primes, Sarah a été embauchée pour escorter vers Auriga un prisonnier particulièrement gênant, le prisonnier en question, un ancien chef de pirates intergalactiques. Elle s'est fait la malle quand le vaisseau s'est écrasé. Sarah reste discrète à ce sujet et fait tout son possible pour rechercher l'évadé en question et veiller à ce que justice soit rendue. Donc là, on a affaire en fait à une gardienne en fait du vaisseau carcéral qui s'est écrasé. Et ici, on a affaire à un fouineur léger, rapide et mortel. Scroig a un problème dont il est totalement ignorant. Il aurait dû naître comme noble, maniéré à l'époque des mousquetaires, bien évidemment. Étonnamment soigné et spirituel pour un charognard insectoïde, toujours bien habillé et doté d'un palais délicat, il bénéficie d'un esprit d'une sophistication et d'une aisance au maniement de rapières qui sont complètement gâchées parmi ses pairs. Voilà, d'accord. du coup, donc lui, il va se battre à l'épée, elle aussi. Ça peut être problématique aussi, j'avais pas pensé à ça. Parce qu'évidemment, la gestion des armes est très importante dans le jeu. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte si on veut aller jusqu'au bout. Voyons voir. Est-ce que ça vaut le coup de garder Scroig? J'ai intérêt à avoir deux armes différentes, sinon ils vont rentrer en concurrence pour les armes que je vais pouvoir trouver ou acheter au milieu du donjon. Ça peut être problématique, j'avais pas pensé à ça. Elle a quoi? Elle a rien du tout, elle a pas d'armes. Elle back ses points. Je ne sais pas du coup. Ça m'embête, hein. J'ai personne pour vraiment bien réparer. Sinon lui, qui a pas mal de réparations, mais il frappe pas beaucoup. Ouais, je vais avoir des problèmes de force de frappe, là aussi. Hein. C'est problématique. Ah, c'est chaud, hein. Déjà, rien que pour la recherche des... l'équilibrage entre les persos, c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Ou alors je repars sur ce personnage, hein, qui lui se bat au flingue, si je me trompe pas. On le voit ici, hein. Ça c'est le flingue de base, qui peut être assez efficace. Les conditions de monter ces niveaux, puisqu'évidemment ce sont des personnages, comme dans des jeux de rôle, dont on va pouvoir monter les niveaux. Donc ça peut être intéressant de monter son arme. Max est éternellement optimiste, principalement parce qu'il est trop terrifié par l'endroit où il se trouve pour y réfléchir sérieusement. Il cherchera toujours à tirer profit d'une situation, avoir une part de butin supplémentaire, prendre un objet de plus, dépenser moins d'argent, etc. Même si cela le place en mauvaise et risquée position ou lui vaut des commentaires acerbes de la part des autres héros. Eh bien, j'ai quand même envie de commencer avec lui. Il y a quand même un bon niveau de réparation. Et on peut arriver à monter son arme de manière intéressante également. Allez, on va partir avec ces deux héros. Je sais pas si je fais le bon choix, on verra bien. En tout cas, c'est parti. Donc, on va se retrouver au milieu du donjon, vous allez voir ça. Hop, on y va. Le vaisseau, la capsule s'écrase sur la planète. Et on démarre le premier niveau du donjon de ce roguelite. Alors, voilà, la capsule s'est écrasée, on est donc à l'intérieur de la capsule de sauvetage avec nos deux personnages ici. Donc ça reste du pixel art, mais ça reste encore très lisible, moi je trouve. On a ici un cristal d'énergie qui va nous servir à ouvrir les ascenseurs pour accéder au niveau supérieur. Donc il faut absolument préserver ce cristal est extrêmement important. Si il est détruit, eh bien la partie est terminée, de la même manière que si les héros sont entièrement tués, eh bien la partie se termine également, si on perd tous les héros, je veux dire. Donc ici on les retrouve là, hein, nos deux héros, avec leurs caractéristiques. Donc là en l'occurrence pour ce personnage, on a donc sa capacité active ici qui est visible, la capacité décampée qui donne une vitesse de plus 20. Sur le héros, donc ça peut être intéressant. Par contre, il a une durée de recharge de 9 tours, ce qui est vraiment 9 secondes, pardon, et une durée de recharge
de 2 tours, voilà, ce qui est raisonnable, mais 9 secondes, ça peut aller très vite. 9 secondes d'efficacité de module de capacité active, voilà. Donc pareil pour lui. Lui par contre, pour l'instant, il n'a pas de capacité active. Alors si je clique ici, on voit leurs caractéristiques qui leur sont propres avec leur petite bio que j'ai lu tout à l'heure. La capacité active que l'on retrouve là, donc il faut cliquer dessus en jeu pour pouvoir l'activer tout simplement. Et les capacités passives, donc qui sont des bonus permanents. Là en l'occurrence, on a plus 10 de défense à condition d'être dans le groupe. Donc ne pas séparer les personnages. Donc pour Max O'Kane, eh bien, il n'a pas encore de capacité active, mais ça peut arriver, parce que pour l'instant il n'est qu'au niveau 1. Et si je suis en mesure de dépenser, ça c'est de la nourriture, hein, si je suis capable de dépenser de la nourriture pour lui au fur et à mesure, eh bien je pourrais passer au niveau 2 et donc, vous voyez, débloquer une capacité active qui est pour l'instant cachée, mais il y en a une si je passe au niveau 2, etc. etc. En capacité passive, il a quoi? Il a science plus 2 par niveau, d'accord, ça augmente la science, je vais vous expliquer ce que c'est. Et la meute de chiens, donc sur soi, ça développe une puissance de plus 6% quand les équipiers sont à proximité. Donc là aussi, il y a une notion importante dans le jeu, c'est-à-dire qu'il faut éviter de séparer les personnages du groupe. Parce que vous voyez qu'ils ont des capacités actives qui peuvent être activées, passives, à condition d'être ensemble. Voilà, ce qui rend vraiment le jeu absolument passionnant, puisqu'il y a une multitude de décisions à prendre, et c'est pour ça que j'adore. On a ensuite les caractéristiques de chaque perso, leur point de vie, régénération par tour, la défense, la vitesse, etc., les DPS, et l'astuce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité du héros à soit ouvrir des portes qui sont verrouillées, enfin des mécanismes verrouillés, ou bien réparer des modules. Vous allez voir à quoi ça sert après. Ici, on a l'équipement. Pour l'instant, ils sont pas à poil, mais sans équipement particulier. Donc, ils ont n'ont qu'une arme de base qui peut être améliorée plus tard, mais ici, pour l'instant, c'est vide. Une case qui permet d'avoir un équipement de défense. Et ici, un équipement de capacité active supplémentaire, on va dire. Ici, on a le sac à dos avec tout ce que le groupe peut transporter et qu'il va trouver au fur et à mesure dans le jeu. Et enfin, en haut, on a Alors là, on retrouve les caractéristiques de ce qu'on a dans les Endless Space. Donc, on retrouve vraiment la patte d'amplitude ici, là, avec par exemple la gestion donc des points d'industrie, la gestion des points de science, la gestion des points de nourriture. Et la gestion de la brume, qui est en fait l'énergie ou l'argent du jeu. Et ça, donc la brume, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui va vous permettre d'éclairer les salles dans lesquelles les héros vont se trouver. Donc si on se retrouve dans une salle qui n'est pas éclairée, non seulement ça va faire popper des monstres, mais en plus, va empêcher d'installer des modules... et de faire un certain nombre de choses dans ces salles. Donc, en sachant que pour chaque salle, on va dépenser 10 de brume, 10 points de brume. Donc là, en l'occurrence, avec 28 de points de brume, je peux allumer alimenter deux pièces. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, il va falloir que je trouve un moyen d'augmenter la brume, et on l'augmente tout simplement en tuant les monstres. Donc plus on tue de monstres, plus on a de chances de récupérer de la brume qu'ils ont sur eux. Excusez-moi. Donc la nourriture, eh bien, elle va servir à régénérer la vie des héros si jamais... Hop, voilà, si je ferme ça. Si jamais, ils sont attaqués, je peux à la volée, en cliquant ici, utiliser 10 points de nourriture par héros et donc remonter légèrement leur point de vie. Mais ça, ça va être à la volée. Sinon les points de vie sont régénérés à chaque fin de tour de jeu, mais bon, il faut arriver à détruire entièrement tous les monstres du tour, et c'est pas forcément évident. Ensuite, les points de science, ils vont servir, eux, à apprendre des capacités nouvelles, qui va permettre de créer des objets nouveaux, des armements nouveaux, etc., etc.
Donc il y a plein de choses à créer. Là aussi, il y a une notion, pas de crafting, mais d'apprentissage de compétences qui est vraiment très intéressant. Et on retrouve vraiment l'aspect jeu de rôle que j'adore. Et enfin, l'industrie qui va servir à créer ce qu'on aura recherché. Donc on va dépenser des points de science, des points d'industrie pour pouvoir installer dans les pièces ou sur soi des objets ou des modules qu'on aura réussi à rechercher au préalable. Donc ça a l'air complexe comme ça, mais c'est vraiment très très bien foutu, on n'est jamais perdu. Et c'est aussi ça que j'adore dans ce jeu. Alors, donc là on est dans une première pièce. Alors si je fais un petit recul, hop, je dézoome. Et là, qu'est-ce qu'on a? On s'aperçoit qu'en fait, la capsule de sauvetage, c'est une pièce du donjon. Et on est dans la première pièce du premier niveau. Et pour l'instant, on ne voit pas encore les autres salles. Alors, le but du jeu, ça va être de transporter le cristal, que l'on voit ici, de cette pièce-là, jusque dans la pièce où se trouve l'ascenseur. Pour l'instant, évidemment, je ne sais pas où il est. Il faut que je trouve l'ascenseur me permettant d'accéder au niveau 2. Et là, en l'occurrence, je n'ai qu'une seule porte à ouvrir à partir de la capsule. Parfois ça change, puisque évidemment c'est aléatoire, hein. Donc à chaque fois vous recommencez une partie ou un niveau, ce n'est jamais la même création de niveau, c'est totalement aléatoire. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un personnage. Donc je vais prendre celui qui a le plus de vitesse pour pouvoir échapper le plus rapidement au monstre, parce que vous allez voir qu'il vous court après. Et on va ouvrir la première porte. Hop. Alors, je vais bien me positionner, voilà, on ouvre la première porte, et c'est parti. Donc le personnage à qui j'ai demandé d'ouvrir la porte va passer dans la pièce suivante, et il a trouvé quoi? Il a trouvé un mécanisme capable de rapporter 8 points de plus d'industrie, donc je suis à 42, et ça c'est très important, pourquoi? Parce que ça va me permettre d'installer un certain nombre de modules, et là on voit que si je recule, j'ai deux portes qui sont apparues depuis cette pièce. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé le point pour l'ascenseur pour pouvoir mettre le cristal. Donc ici, alors je vais allumer la pièce. J'ai de quoi allumer la pièce ici avec ma brume, puisque je peux allumer pour l'instant deux pièces. Donc je clique voilà, sur le bouton qui va bien pour allumer la pièce. Donc là, vous voyez, hop, j'ai une pièce qui est allumée. Donc il me reste encore 10 points pour pouvoir allumer une deuxième pièce. Et donc je risque rapidement, mais vraiment très rapidement, de me retrouver avec des pièces qui ne sont pas éclairées. Et donc, à chaque fois que je vais passer le tour, eh bien, les monstres risquent de popper dans les pièces qui ne sont pas éclairées. Et de venir vous attaquer, puisque évidemment le but des monstres, hein, c'est d'arriver à détruire le cristal. En plus de vous bouffer, bien évidemment. Alors, par contre, je vais gérer ça comme ça, ce sera plus simple. Donc ici on a un certain nombre de choses dans cette pièce, à savoir un dispositif pour un emplacement de module et d'autres dispositifs ici pour des emplacements d'armement, puisqu'on est vraiment dans un roguelite, mais également dans une espèce de tower defense ou de dungeon defense, donc ces petits jeux où vous devez essayer d'empêcher des vagues d'ennemis d'arriver sur vous en installant différents pièges et armements sur leur parcours. Et là c'est un peu le même genre de jeu, puisqu'il faut les empêcher d'atteindre le cristal, et évidemment ils passent par les portes qui sont déjà ouvertes, hein. Donc là j'ai le choix, soit j'installe un nouveau module qui va me augmenter mes capacités par tour de points que j'envoie ici. Donc là j'ai 8 par tour, 5 par tour, 6 par tour, en sachant qu'un tour c'est quoi? Un tour c'est une ouverture de porte, donc à chaque fois que je vais ouvrir une porte je vais passer un tour. Donc je vais risquer de refaire popper des monstres, etc. Mais je vais aussi gagner plus 8 d'industrie, plus 5 de science, plus 6 de nourriture par porte ouverte. En gros, c'est ce que ça veut dire. Mais évidemment, ces points sont extrêmement importants, puisque ça permet d'acheter de crafter des modules. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer d'augmenter tout de suite ma capacité à produire de l'énergie, parce que ça, c'est vraiment très important pour le reste. Pour tout le reste. Donc on va faire ça, je vais créer ici un générateur d'industrie de niveau 1, puisque évidemment là aussi les modules peuvent prendre des niveaux, il n'y a pas que les héros, donc ça aussi c'est génial. Et ça va me coûter donc 20 d'industrie pour pouvoir installer un module d'industrie ici. Mais si je le fais, j'aurai plus 3
d'industrie par tour. Donc je passerai de 8 à 11 par tour. Mais seulement ça va me coûter donc 20 points d'industrie. De 42, je vais passer à... Hop, je clique dessus. Je le fabrique. Et voilà, je passe à 22, mais je gagne plus 11 par porte ouverte. Donc c'est vraiment intéressant de le faire tout de suite. Je vais peut-être même en installer un deuxième dès que je vais pouvoir, mais il faut que je trouve une salle avec un emplacement de module, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les monstres sont tout à fait capables de détruire les modules. Ils vont pouvoir s'attaquer aux modules, enfin, un certain type de monstres sont capables d'attaquer les modules. Donc j'ai intérêt à protéger au maximum le module, en sachant que pour l'instant, la seule arme dont je dispose, c'est un petit module laser, qui a une puissance de 9, donc points de dégâts, par DPS, et qui se recharge toutes les demi-secondes. Ok, ça blesse faiblement les adversaires, se trouvant dans la salle, etc. Ça me coûte 3 points d'industrie pour pouvoir en installer un. Donc on va au moins en installer un. Je vais le mettre ici. Voilà, petit module laser. Les autres, pour l'instant, je les laisse vides parce que je ne veux pas utiliser entièrement l'industrie qui se trouve ici. Je vais pouvoir m'en garder pour le prochain tour. Et on va tout de suite emmener notre deuxième héros dans la même salle. Qu'il puisse être dans la même salle le plus possible. Pour pouvoir combattre ensemble. Alors, je vais reprendre mon héroïne Sarah Noumas. Et on va ouvrir la seconde porte qui se trouve ici. Ou alors j'ouvre celle-là. Mais j'aime bien commencer toujours par la gauche. Donc on va essayer d'ouvrir cette porte-là. Le but étant encore, je le rappelle, de trouver un emplacement pour pouvoir transporter le cristal jusqu'au niveau 2. Et donc, en l'occurrence, il faut que je trouve la salle de l'ascenseur. Alors, on va ouvrir cette salle. Pour l'instant, ça va, il n'y avait pas de monstre hein, dedans, mais il pourrait très bien y avoir des monstres. Alors, en plus, vous voyez que la salle est auto-éclairée. Donc, j'ai de la chance, j'ai pas besoin d'utiliser 10 points de brume pour alimenter cette salle. Ça, c'est cool. Ça va me permettre d'économiser de la brume. Donc là encore, j'ai un emplacement de module, et bien on va pas se priver. Je vais créer tout de suite un deuxième module d'industrie pour passer de voilà de 11 à 14. Seulement, vous avez bien vu que voilà, à chaque fois que l'on va installer un nouveau module, et bien ces modules augmentent en termes de points d'industrie. Là, le prochain que je vais vouloir installer va me coûter 30 au lieu de 25, etc. Donc on gagne comme ça de 5, on gagne, non, on perd, on va dire, enfin ça coûte 5 points d'industrie de plus à chaque tour, ce qui n'est pas évident, et il va falloir aussi gérer ça. Il va falloir aussi gérer la capacité de notre groupe à installer des modules. Là le prochain, j'ai intérêt à installer un module de nourriture le plus vite possible, pour pouvoir augmenter donc ma capacité à... avoir de la nourriture, parce que, comme je le rappelle, ça sert à soigner, mais ça sert également à passer de niveau en niveau pour les héros, donc c'est très très important. Donc là, pour l'instant, je vais attendre d'avoir au moins 50 points de nourriture pour pouvoir essayer de passer au niveau supérieur. De toute façon, ici, pour Sarah Noumas, pour passer au niveau 2, il me faut 30 de nourriture, je ne les ai pas. Et pour Max O'Kane, il m'en faut que 25, je pourrais très bien, mais il me resterait plus qu'un point de nourriture et ce serait extrêmement risqué de faire ça. Parce que je dois pouvoir avoir une petite réserve de nourriture pour pouvoir soigner à la volée mes héros. Donc, je réfléchis ce que je fais d'autre. Est-ce que, oui, je vais mettre un petit armement supplémentaire si je peux. Non, je ne peux plus. Si, je peux encore en mettre un. Ça me coûte 3 points de... d'industrie, il m'en reste encore 5. Je vais le faire. Parce que là, regardez, hop, si je dézoome, je vois qu'il y a encore une porte. Donc je vais emmener mon héros ici. C'est pas un cul-de-sac ici. Donc on va continuer de défendre juste dans la pièce d'à côté. En sachant que de toute façon, ici, la porte est fermée. Donc les monstres ne peuvent pas arriver. Et donc mon cristal ne craint rien, si vous voulez. Allez, hop, on va prendre... donc Sarah Noumas, et on va lui faire ouvrir la porte suivante. En espérant qu'il n'y ait pas de monstres, sinon il va falloir que je recule. Si, il y a des monstres. Voilà, il y a des monstres, donc voilà, on se bat dans la même salle. Hop, voilà, je fais attention à mes points de vie, ça va, ils étaient que deux.
Donc malheureusement, ils n'avaient pas de brume sur eux, donc j'ai pas récupéré de brume. Donc il va falloir que j'alimente cette salle. Voilà, là pour l'instant elle n'est pas alimentée, donc si j'ouvre une autre porte, par exemple la porte qui se trouve ici, eh bien si je n'ai pas alimenté cette salle, potentiellement des monstres peuvent popper à l'intérieur et venir essayer de m'attaquer ou de s'en prendre au cristal. Donc on va venir dans cette salle, je vais l'éclairer parce que je peux encore, voilà, mais là je suis à la capacité maximale. Je n'ai pas récupéré de brume, ça m'embête fortement. Par contre, j'ai un petit emplacement. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Non, pour l'instant, je ne peux pas. Il me faut 30 points d'industrie. Donc, je n'ai pas encore assez de points d'industrie. Au prochain tour, je devrais... Oui, au prochain tour, j'aurai assez. Pour pouvoir mettre un module de nourriture dans cette salle. Le problème, c'est que je n'ai pas intérêt à prendre de retard par rapport au niveau des monstres potentiels. Puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on ouvre une porte supplémentaire... On risque d'être confronté à des monstres de plus en plus puissants. Donc, j'ai intérêt, grandement intérêt, à dépenser 3 points d'industrie pour mettre un nouveau laser ici. Pourquoi là? Parce que là, c'est un cul-de-sac. Donc, on va rappeler nos héros dans la salle où il reste encore une porte à ouvrir. Et je vais demander, évidemment, à Sarah Noumas d'ouvrir la porte suivante. Mais là, au moins... On va pouvoir se battre avec deux modules de défense dans cette salle, ce qui n'est pas négligeable. Allez. Il y a des monstres, attention. Attention. Je fais gaffe à mes points de vie. Non, ça va, ils étaient faibles. On a récupéré un point de brume avec ça. C'est pas suffisant pour alimenter cette salle suivante. Donc du coup, je vais être obligé d'ouvrir la porte qu'il y a ici. En sachant que des monstres peuvent popper dans la pièce où je vous la porte. Donc je vais y emmener Sarah Noumas dans cette pièce pour l'instant. On va défendre dans celle-ci. Donc si jamais il y a des monstres qui popent là, ou qui popent dans la pièce où je vais ouvrir la porte, eh bien je reviendrai me replier ici. Parce que il faut pouvoir se défendre ensemble. Par contre là je suis à 27. Ah, j'ai pas assez de points de... Ah, j'ai pas assez de points d'industrie pour créer un réplicateur de nourriture. Donc pour l'instant, je suis obligé de rester avec mes 6 points de nourriture par tour. Il faut que j'attende encore un petit peu plus. Donc là, j'ai pas le choix. Je regarde bien, mais il n'y a bien qu'une porte. Et elle n'est pas éclairée, donc il faut que je fasse attention. Ça risque de popper dans mon dos. Est-ce que ça a popé? Oui, ça pop. Ah, ça pop. Il faut que je revienne défendre. Voilà, c'est bon, je suis revenu défendre. Ok, ça va, on s'est bien défendu. J'ai gagné suffisamment de brume. Ça, c'est bien, ils en avaient sur eux, les monstres. Pour pouvoir alimenter cette salle, c'est parfait. Par contre, je ne peux pas alimenter celle-là. Ah, par contre, il y a une machine à l'intérieur. On va voir ce qu'elle a. Elle a plus 6 d'industrie. Ça, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre tout de suite mon réplicateur de nourriture dans cette salle, ici. Voilà, hop. Je bascule à 9, de 6 je passe à 9, du coup je suis à 44 de points de nourriture, donc je suis à un tour de pouvoir augmenter le niveau au moins d'un de mes personnages, puisque j'attends d'avoir au moins 50 de nourriture pour pouvoir avoir un petit peu de marge. Par contre, donc ici on est d'accord, je peux pas allumer, hein. Donc ça risque de popper ici, il y a 3 portes, 1, 2, 3, il y a 3 portes ici à ouvrir. J'ai toujours pas trouvé l'ascenseur. réfléchissons. Je vais revenir défendre ici, hein, si jamais ça pop. Il y a déjà 2 lasers, je vais en mettre un troisième même. Voilà, je vais en mettre un troisième. Pour l'instant, je peux pas utiliser les autres capacités parce que je n'ai rien dedans, hein, c'est vide. Ça, c'est des capacités donc pour augmenter des capacités de soutien et là des capacités de défense. Que je ne peux pas mettre en place pour l'instant, je n'ai que des capacités d'armement, donc d'attaque, ici. Alors je pourrais dépenser encore un peu plus, mais je préfère garder mes points d'industrie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut essayer d'économiser tout en avançant. C'est tout le challenge de ce jeu génial. Alors, donc on va ouvrir la porte de gauche, toujours, hop, je vais ouvrir cette porte, et je vais la faire replier si jamais ça pop.
J'attends, oui, ça pop, je me fais attaquer. Allez, reviens défendre ici. On voit que ma barre de vie a baissé. Faut que je fasse attention, non, ça va. Alors, vous voyez, ma barre de vie a remonté direct. Pourquoi? Parce que quand on a eu la petite musique là, ça veut dire que les monstres du niveau ont été tous éliminés. En tout cas, par rapport aux portes que j'ai déjà ouvertes. Évidemment, s'il y en a d'autres derrière, je peux pas le savoir. Mais dans la mesure où les portes ne sont pas ouvertes, ils peuvent pas les franchir. En tout cas, pour l'instant. Donc là, j'ai gagné suffisamment de brume pour alimenter une deuxième pièce. En sachant que je peux pas alimenter celle-là, parce qu'il faut qu'elle soit reliée entre elles. Il faut qu'elle soit reliée avec des pièces qui sont déjà éclairées, évidemment. Le courant ne pourra pas passer de cette pièce-là à cette pièce-là si j'allume pas celle-ci. Donc je vais être obligé d'allumer celle-là. J'ai pas le choix. J'allume cette pièce et eh bien, je serai obligé d'attendre pour pouvoir allumer celle-ci. Parce que je n'ai pas encore assez de brume. Mais je suis obligé de procéder de cette manière. Donc là, j'ai 28 points d'industrie. Je pourrais défendre ici. Je pourrais défendre ici. Le problème, c'est que je peux installer qu'un petit module de défense. Peut-être deux. En sachant que je vais ouvrir une porte ici qui risque de faire popper des monstres devant moi. Et également derrière moi. Parce que cette pièce n'est pas éclairée. Ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai que deux modules de défense. Bon alors si, je sais ce que je vais faire. On va commencer à augmenter les niveaux des persos, parce que j'ai 53 de nourriture. Voyons voir. Est-ce que j'augmente Sarah Noumas au niveau 2, ou bien est-ce que j'augmente Max Hawken au niveau 2? Ah, ça sera plus intéressant, je pense. Dans la mesure où il a une capacité active, il peut être débloqué. Je pense que ça vaut le coup de dépenser 25 de nourriture pour débloquer une capacité active. J'espère qu'elle va me servir. Allez, je tente le coup, je débloque le niveau 2. Voilà, ça me fait dépenser 25 de nourriture. J'en suis à 28, mais j'ai débloqué une nouvelle capacité active. On va voir ce que c'est. Abus verbal. Ça me donne une puissance de plus 12. Parfait pour le héros dans la salle. Et une défense de plus 25. Ah, ça c'est cool aussi. Voilà, ça c'est cool. Par contre, une fois que j'ai utilisé la capacité au moment du combat, je vais avoir 3 tours pour pouvoir recharger la capacité. Je ne pourrais pas l'utiliser pendant 3 tours. C'est ce que ça veut dire. Hein. Donc pendant 3 portes à ouvrir. Mais c'est déjà pas mal. J'ai au moins une capacité pour me défendre et attaquer avec ce petit bonus s'il y a besoin. Je vais peut-être les emmener tous les deux. Hop. Voilà, on va les emmener tous les deux ici dans cette salle et on va défendre à partir de cette salle. J'espère que je fais pas de bêtises. Si vraiment ils passent mes défenses, mes monstres, eh bien, je me replierai ici. Parce que ça risque de popper là. Mais on verra bien. Je vais tout de suite installer un nouveau module laser dans cette pièce. Voilà, je vais en utiliser qu'un à la fois. Pour pas trop dépenser. Et puis je me tiens prêt si jamais ça pop là. En attendant, Sarah Noumas, elle va venir ouvrir cette porte ici. Alors attention, je vais vérifier que ça pop pas. J'ai découvert quoi? 9 points d'industrie, ça n'a pas popé, c'est bien. J'ai de la chance, ça n'a pas popé. Et en plus je peux éclairer cette pièce. Donc c'est parfait, comme ça ne popera plus dans le dos. Et je vais peut-être pouvoir commencer à installer un autre module. Oui, je peux. Alors j'ai déjà un module de nourriture et 2 modules d'industrie. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter ma science? Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de cristaux de science, parce que quand on tombe dans une salle avec un cristal de science, on peut apprendre de nouvelles capacités et en dépensant évidemment des points de science. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, donc je me demande est-ce que ça vaut le coup de mettre un créateur de science de niveau 1, en sachant que ça me coûte 35 pour le module suivant. C'est la question que je me pose. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Ou je mets un deuxième récupérateur. Ouais, je vais plutôt mettre de la nourriture. Je vais mettre un deuxième réplicateur de nourriture. Voilà, comme ça je passe à 12 de capacité par tour. Et ça me permettra d'augmenter plus rapidement les niveaux de mes héros. Ouais, je pense que je vais faire ça.
Donc on va défendre ici, du coup je vais rajouter un nouveau module de défense, d'attaque ici. Et puis c'est tout. Voilà, je m'arrête là pour les dépenses. Donc là j'ai encore une pièce ici à ouvrir et là. Donc je vais d'abord ouvrir celle-ci. Comme ça si ça pop, je serai plus rapidement sur place. On va ouvrir cette porte, attention. Ça pop, ça pop. Donc je me défends ici. Attention, attention point de vie, attention point de vie. Non, ça va, j'ai pas eu besoin d'utiliser de nourriture. J'hésite évidemment fortement à utiliser la nourriture, parce que c'est d'autant de points en moins comme ça pour pouvoir monter mes niveaux plus tard. Donc il faut que je fasse attention, mais c'est bon, j'ai réussi à avoir en plus suffisamment de brume pour alimenter cette pièce. Donc du coup, ah, il reste encore une porte là. Donc tu vas aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Il y avait un module ici, mais que je peux pas utiliser pour l'instant parce que la salle n'est pas alimentée. J'en ai un autre ici, mais j'ai pas assez de points. Ouais, le prochain module c'est 40 d'industrie. Donc on va évidemment mettre un nouveau module de défense, plutôt d'attaque. Je ne vais pas mettre en retard au cas où il y a des monstres puissants qui se pointent dans le coin. Et puis on va ouvrir cette porte. Bon, jusque là tout va bien. Pourvu que ça dure. Oh, ça pop. Ça pop. Attention. Prêt à soigner si besoin. Non, ça va. C'était juste un petit monstre isolé. Par contre, ah oui, il y en avait un autre. Alors ceux-là sont vraiment dangereux parce qu'ils s'attaquent directement au cristal. On arrive facilement à les avoir, mais si jamais ils arrivent à nous dépasser, le cristal peut prendre très cher. Alors, une chose que je n'ai pas précisée, mais si les monstres attaquent le cristal, ils vont pas le détruire immédiatement. Ils vont commencer par le diminuer et en fait, ça se traduit ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cristal se fait attaquer, on perd des points de brume. Et quand on tombe à zéro, eh bien le cristal explose et la partie est terminée. Et évidemment, à chaque fois que l'on perd des points de brume, on perd ses capacités à alimenter des salles. Donc plus on se fait attaquer le cristal, et plus on risque de se retrouver plongé dans le noir. Et donc d'avoir au tour suivant encore plus de monstres à devoir gérer. Donc on va alimenter évidemment cette salle. Voilà. Alors est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore de capacité pour créer un autre module, donc on va pas le faire. Par contre, je vais mettre encore un autre module laser pour m'aider. Sur le chemin si possible, voilà, là on voit tous les emplacements hein, où je peux installer ce module laser. On va le faire sur le chemin du cristal, bien évidemment, en priorité. Donc vu que j'ai ouvert cette salle... Ah, je sais pas, j'hésite, parce que j'ai celle-ci aussi à ouvrir. Je vais plutôt mettre des modules laser dans cette salle. Voilà, au cas où je me fasse submerger dans cette pièce et que je sois obligé de me replier. Allez, on va aller donc dans cette pièce et on va ouvrir cette porte. Attention, c'est parti. Je me tiens prêt pour me replier si besoin. Ah, j'ai trouvé la pièce de l'ascenseur. Alors là, mais en plus ça n'a pas popé. Là, j'ai deux choix. J'arrête tout de suite le niveau et je transporte mon cristal de cette pièce jusque dans celle-là, en sachant que le cristal pèse très lourd, et donc le héros qui va transporter le cristal va être extrêmement ralenti. Donc il va falloir le protéger jusqu'à la salle du cristal. Ou alors j'attends avant de transporter le cristal dans cette salle, et j'essaye d'ouvrir toutes les autres portes du donjon, en essayant de me protéger un maximum. Parce que évidemment, pour chaque porte ouverte, eh bien on a une possibilité supplémentaire d'avoir du loot intéressant, etc. etc. Donc, c'est aussi... Voilà, il faut arriver à faire la part des choses. Et là, vu qu'on est tous en bonne santé, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, je vais plutôt attendre. Donc je vais quand même alimenter cette salle pour éviter que ça pop ici, ça ne popera que là. Mais je vais revenir dans cette salle. Ouais, je vais revenir dans cette salle et on va ouvrir cette porte. Par contre, avant toute chose... À chaque tour de jeu, moi je remets systématiquement un module laser ou un module d'attaque
pour éviter de me faire trop submerger si jamais c'est le cas. Une chose que je n'ai pas précisé également, c'est que lorsque l'on déplace son cristal, quand on l'enlève de son bloc là où il est dans la capsule, ça ouvre automatiquement toutes les portes du donjon. Même celles qu'on n'a pas découvertes. Donc toutes les salles sont ouvertes, on voit entièrement la map, et évidemment, tous les monstres qui sont encore dans les salles qui ne sont pas éclairées vont popper, dont celles, évidemment, que je n'aurais pas forcément ouvertes. Donc c'est aussi intéressant d'essayer d'ouvrir les portes avant d'atteindre le niveau suivant, parce que sinon, si on essaye d'y aller directement, on risque d'être submergé par des vagues et des vagues de monstres issus des portes et des pièces qu'on n'aura pas encore découvertes. Donc c'est tout le problème d'équilibrage qu'il y a à avoir dans ce jeu et qui demande des prises de décision qui sont pas toujours faciles. Est-ce que je peux mettre, oui je peux mettre un autre générateur peut-être d'industrie. Je ne sais pas. Est-ce que ou alors, est-ce que j'attends, parce que là du coup je ne sais pas combien il y a encore de salles à découvrir derrière cette porte. Il y a peut-être encore plein de salles. Donc ça vaut peut-être le coup que je mette un autre module en place, puisqu'évidemment pour chaque porte ouverte on va avoir des points ici supplémentaires. Donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser 42 science, 42 d'industrie pour installer un nouveau module? C'est toute la question. Est-ce que ça va me rapporter au final? Moi j'ai envie de dire que oui, on va mettre un autre module d'industrie et on va le placer ici. Voilà, alors il faut savoir également qu'à chaque fois qu'on passe au niveau suivant, ici tous les points reviennent à zéro. Pas ceux qu'on a déjà engrangés, mais les points par tour reviennent à zéro, enfin reviennent au minimum, c'est-à-dire 5 par tour. Donc là aussi il y a une notion d'équilibre à avoir pour essayer de bien gérer les points qu'on a là par rapport au module qu'on installe, par rapport au nombre de portes qui restent à ouvrir, etc. etc. Évidemment, ce sont des notions qui sont difficiles à appréhender puisque on ne sait pas à l'avance combien de portes il peut rester derrière celle que l'on va ouvrir. Mais bon, on va tester, donc je vais ouvrir cette porte. Attention, je fais gaffe que ça pop pas ici. Non, ça n'a pas popé là. C'est parfait. Ah, voilà. Là, on a trouvé un module de... d'ailleurs, je vais l'allumer, voilà. De science, donc qui permet d'apprendre. Donc, si je clique dessus avec ce héros, voilà, j'ouvre le panneau d'études. Et donc, je peux apprendre un certain nombre de choses. Par exemple, pour 46 de science, de points de science, eh bien, je peux avoir le générateur d'industrie de niveau 2. Et qui va me rajouter 4 points au lieu de 3 par tour quand je pourrai installer ce module. Ça va me prendre 3 portes, 3 tours pour étudier ce module, mais ça peut être intéressant. Le souci, c'est que je ne pourrai pas le faire dans ce tour-là parce que. alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des modules évidemment de défense, d'attaque, modules de laser par exemple, ici de niveau 2. Donc de 9, je passe à 10 en puissance. Ou bien des modules particuliers, comme par exemple ici le gaz poivré, qui permet quand on vise une nourriture, que cette créature s'amuse à viser ses collègues. Donc ça peut être intéressant aussi ça. Alors évidemment, les points de science ne sont pas les mêmes à dépenser pour chacun des modules à améliorer. Je peux complètement réinitialiser l'étude, c'est-à-dire que si je dépense 10 points de science, eh bien tout ceci change. Donc on a de nouveaux choix à faire, si jamais ceux qu'on a ici ne nous conviennent pas. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, parce que je l'ai découvert trop tard, ce cristal. Pourquoi? Parce que vous voyez que j'ai plus du tout de porte à ouvrir. Donc le donjon, le premier niveau de ce donjon est terminé. Donc ça ne sert à rien. Je n'aurai pas le temps d'apprendre une nouvelle capacité, donc on va laisser tomber. Je vais faire en sorte d'alimenter cette salle en désalimentant une autre salle pour pouvoir me créer un chemin à peu près sécurisé jusqu'à cette salle où je vais passer donc au niveau 2. Donc alors déjà
Soit tu vas aller ici dans cette pièce, parce que c'est toi qui as le plus de points de déplacement, si je me souviens bien. Voilà, 46 de déplacement contre 34. Donc évidemment, je vais prendre Saranumas pour déplacer le cristal. Parce que sa vitesse va être fortement réduite quand elle va transporter le cristal. Par contre, il faut que je fasse le choix de désalimenter une salle. Est-ce que celle-ci, je peux le faire? Oui, je peux désalimenter celle-là pour réalimenter celle-ci. Ouais, en respectant toujours le circuit électrique qui permet d'alimenter les salles les unes par rapport aux autres. Donc là, je sais que ça va popper ici dès que je vais prendre le cristal. Mais c'est un petit risque, surtout que sur le chemin, voilà, les monstres vont être obligés de passer là, donc ils vont se prendre déjà une première défense là, plus les trois défenses ici. Je pense que le temps qu'ils arrivent là, je serai passé dans la salle suivante. On verra bien. Au cas où, je vais quand même placer ce personnage ici dans cette salle. Pour pouvoir défendre au cas où. Et puis bah c'est parti. Allez, je prends ce personnage, je prends le cristal. Voilà, le cristal est enlevé. Hop, pagaille générale. Voilà, et là je transporte mon cristal jusqu'à cette pièce là voilà, les monstres ont commencé à popper. Donc là je prends mon héros, mais là ça va, ils sont lents, ils sont très lents. Donc on va rejoindre cette pièce là aussi pour ce personnage. Et quand les deux sont dans la salle, je pourrais passer au niveau suivant. Là, ça va, ils se font bien détruire. Ils n'ont pas eu le temps de me rattraper. Voilà, je peux sortir. Deux héros prêts sur deux, donc je peux sortir. Et on a terminé le premier étage. Ça, c'est une très bonne chose. Donc il m'a fallu 37 minutes 50, mais bon, j'ai aussi beaucoup expliqué, donc c'est pas normal. J'ai gagné 20 points d'industrie, 69 de science et 85 de nourriture. Il faut que je pense à monter mes niveaux hein, de mes personnages. Donc ça c'est bien, ça je le conserve. Score 472, ok. Donc qu'est-ce qu'il dit lui? Quand ma mère évoquait que la vie est un combat, elle faisait allusion à ça. Voilà, petit humour de la part du personnage. Et on passe à l'étage suivant. Numéro 2, alors vous voyez tous les étages ici hein, à grimper jusqu'au toit du donjon sur lequel on pourra être secouru, mais il faut passer tout cela avant. Allez, on y va. Étage suivant. Voilà, donc nouvelle salle, nouveau donjon, enfin nouveau niveau, niveau 2 plus précisément, et depuis cette pièce, donc on a deux portes à ouvrir. Alors, en sachant qu'ici je n'ai pas la possibilité de mettre quoi que ce soit comme armement, donc on va prendre notre héroïne ici et on va attendez, je suis en train de vérifier un truc. Ouais, j'espère que c'est bien lisible quand même sur le retour, parce que malheureusement, voilà, j'ai des petits problèmes de ratio d'écran. Je peux pas faire mieux, sinon je vois plus rien sur mon propre écran. J'espère que ça reste lisible, hein, parce que je vois que le ratio est légèrement plus faible que ce que je peux diffuser. Donc, voilà, j'espère que ça reste lisible. J'espère que l'action reste lisible. Faut pas hésiter à me dire, hein, si vraiment l'action n'est pas lisible, j'essaierai d'augmenter la résolution de l'écran. Mais malheureusement, je peux pas vraiment faire autrement. J'espère que c'est pas trop gênant, faut pas hésiter à me le dire. C'est pour ça que j'explique beaucoup, pour que l'action reste bien lisible. Mais a priori, ça devrait le faire. Donc, je disais, je reprends Saranumas pour lui faire ouvrir cette porte-ci. Mais avant, je vois que j'ai 85 de nourriture, donc on va pas se priver. On va essayer de la faire passer, elle, justement, au niveau 2 pour pas qu'elle soit en retard par rapport à l'autre personnage. Et vous voyez que ici, je vais augmenter plus 2 en défense, plus 1 en vitesse, plus 1 en DPS et plus 1 en puissance. Donc c'est très bien, je fais cette dépense-là, voilà, moins 30 de nourriture, je passe à 55, mais ça va. Je pourrais presque même faire passer
Max Oken au niveau 3, 36 de nourriture, ça peut le faire. Vu que je suis au tout début du niveau, je pense que c'est bon. Je peux me permettre de dépenser. Surtout que ça va lui faire gagner 55 points de vie, 3 de défense, 3 de DPS et 2 de puissance. Ça peut être vraiment intéressant. Donc on va le faire passer au niveau 3. Voilà. Il me reste que 19 de nourriture, mais je pense que c'est utile. Allez, donc je reprends notre perso et on va ouvrir cette salle-là en espérant que ça ne poke pas dessus. Non, ça va, il n'y a pas de monstre ici. Je peux alimenter la salle, j'ai suffisamment d'énergie. Et en plus, je peux mettre un module. Donc on va pas se priver. Tout de suite, le module de l'industrie parce que ça sert vraiment pour tout. Voilà. Et bah écoute, il y a combien de portes à ouvrir? Deux portes, ok. Donc Max, tu vas venir dans cette pièce pour défendre depuis là, et je vais mettre un petit module laser ici, parce qu'on va ouvrir cette porte. Allez, c'est parti, on ouvre. Ça n'a pas popé, donc ça va, je peux alimenter la salle en plus, c'est parfait. Je vais mettre un autre module laser ici. Et on viendra défendre ici s'il faut. Je vais ouvrir cette pièce. N'y a pas de monstre. Et il y avait une machine dans laquelle je peux récupérer 8 points d'industrie. C'est pas négligeable. Je peux en plus alimenter la salle. C'est parfait. Il y a un autre module ici. Et deux portes à ouvrir. Donc je vais peut-être déplacer Max ici. Pourquoi pas. Voilà, placer un module alors de nourriture en industrie. Pour l'instant, je vais prendre deux modules d'industrie avant d'installer un module de nourriture. Je pense que c'est plus judicieux comme choix. Et on va passer. Bah ici, on va mettre un module laser supplémentaire ici. Et on va défendre de cette pièce. Hop, je prends notre héroïne et on va ouvrir cette porte ici. Attention, parce que ça va popper. Oui, ça pop, il y a des gros monstres. Attention. Non, ça va. On a résisté, donc c'est parfait. Donc du coup, je peux alimenter cette pièce. C'est un cul-de-sac. Ok. Mais je peux mettre un nouveau module. Je pense pas avoir assez, malheureusement. Non, il m'en faut 30 pour le prochain. Donc, je suis obligé d'attendre. Par contre, je vais mettre un autre module de laser ici. Merci Frit pour ton host, ça fait plaisir. Donc on va repartir depuis cette pièce. Bonjour, j'espère que tu prends bien à droite au croisement. Oui, y a pas de souci. Non, en fait, je prends plutôt à gauche, moi. Je suis plutôt la team qui prend à gauche. J'ouvre tout le temps les portes à gauche. Moi, ça me porte toujours bonheur d'ouvrir à gauche. Donc, je continue d'essayer d'ouvrir au maximum à gauche. J'espère que tu vas bien. Donc, je disais, il va falloir que j'ouvre cette porte. Alors, je vérifie. Voilà, hein, toutes les salles sont éclairées. Par contre, attention, j'ai plus d'énergie. Donc, si j'ouvre une autre salle, je ne pourrai pas l'éclairer. Il faut que je fasse attention. Allez. Allez, on est motivé. On ouvre la pièce. Espérons que les personnes. Oh, un marchand! Oh, un marchand, super! On est tombé sur un marchand, donc je vais pouvoir peut-être négocier des petites choses. Alors, par contre, lui, il demande quoi là? Il demande de l'industrie pour négocier. Ok. Bon, ça tombe bien, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, pour l'instant, je peux me payer que ça ou ça. Une chitine abandonnée. Pour 9 de défense avec moins 1 de vitesse. Ou un uniforme de garde pour plus 100 de PV max. Une défense de 6. Ouais, donc forcément. Celui-ci est plus intéressant, hein. Uniforme de garde. Par contre, à 24, c'est chaud, hein. Et j'ai rien à vendre, évidemment, parce que je n'ai rien trouvé. J'ai rien à échanger. Ensuite, il a d'autres armes intéressantes. Grenade ici.
Chanteur de comptoir qui permet d'avoir des PV max à 50, ça peut être intéressant. Ici c'est pareil. Alors le souci, ouais, c'est qu'il n'a pas du tout d'armes à vendre. J'aurais bien voulu avoir des armes. Et il n'a pas d'armes à vendre, donc je suis obligé de garder mes armes de base. Donc je vais quand même dépenser l'industrie pour acheter l'uniforme de garde. Je vais en acheter qu'un. Sinon j'ai pas le choix, je pourrais pas en acheter deux. Après, évidemment, je peux essayer de revenir sur ce personnage au fur et à mesure de la découverte du niveau, à condition qu'il ne se fasse pas bouffer lui aussi entre temps, mais bon, on verra bien. Donc, qui est-ce qui va le prendre? Là, ça me fait, on voit à droite, plus 100 de PV pour Sir Anumas, plus 6 de défense et moins 1 de vitesse. Si je le mets pour Max O'Kane, ça lui fait 100, donc 606. Et ici, 300, ça fait 494. Je pense que c'est plus efficace pour elle. Hein. Ouais, Sarah Anumas, je vais l'équiper pour elle. Donc on va l'acheter. Hop. Voilà, ça passe dans le sac à dos. Hop. Je clique dessus et je vais l'équiper dans cette case qui est réservée à cet effet. Voilà, hop, j'ai augmenté ses points de vie. J'ai baissé légèrement sa vitesse. Mais c'est pas grave, il en reste pas mal. Donc c'est cool. Et on va pouvoir continuer. Alors, voyons voir. Donc, j'ai dit que je me trouvais ici. C'est une salle que je ne peux pas alimenter, donc ça va forcément popper. En tout cas, il y a un fort risque que ça pop à la prochaine ouverture de porte. Donc, il me reste plus que 5 d'industrie. Donc, je vais en profiter pour acheter tout de suite un autre module laser pour équiper... la pièce précédente ici par exemple, parce que si jamais les monstres pop, ils vont essayer de se diriger vers le cristal, donc il faut que je protège cette voie là. Et je prévois aussi pour les prochaines ouvertures de portes. Ok, ça me paraît bien. Allez, on va donc ouvrir cette porte ci attention, si ça pop, je me replie dans la salle précédente. Est-ce que ça pop là? Oui, ça pop. Attention, ça pop. Il y a du monstre. Il faut que je revienne défendre ici. Ça va, pour l'instant, je gère. Ok, parfait. En plus, j'ai gagné de la brume. C'est parfait, je vais pouvoir alimenter cette salle. Cool. Ça fera ça de moins à popper dans le dos. Donc du coup, je reviens ici. Qu'est-ce que j'avais gagné? Ah, il y a un coffre. On va pouvoir l'ouvrir. Oh, j'ai trouvé un coupe-papier. Super. Alors ça, c'est cool. C'est une arme que je peux utiliser pour Sarah Anumas. Donc ça va me donner quoi? C'est un coup de papier qui me donne une vitesse plus 3, DPS plus 13 et une puissance de plus 10. C'est bien, on va pouvoir l'équiper. Voilà, parfait, j'ai un coup de papier maintenant à la place de mon sabre de base. Donc c'est cool, voilà. Voilà, bien évidemment, il peut ouvrir des lettres et des conserves, des portes, des murs, des petites navettes spatiales, etc. J'adore l'humour qu'il y a dans ce jeu. Il y a toujours plein de petites répliques comme ça, de descriptions. Toujours très sympathique à lire. Alors ensuite, ici, je suis dans un cul-de-sac. Et c'est une salle avec simplement des modules pour... des emplacements pour des modules d'armes ou de défense, mais pas des modules de capacité. Ce qu'on appelle des modules majeurs. Donc je vais revenir ici. Je vais redépenser un module laser pour pas être en retard sur le niveau des monstres. Voilà, hop, je préfère faire ça à chaque fois. Ça me fait dépenser 3 d'industrie à chaque fois, mais c'est utile. C'est très utile. Alors par contre, là je vois que j'ai des modules qui sont endommagés. Donc c'est elle qui a une capacité à réparer, je ne sais plus. Non, elle n'a pas la capacité. Donc il faut que je trouve un outil de réparation. T'as pas ça en stock des fois, toi? Non, hein. Non, malheureusement, il a pas ça en stock. Et puis de toute façon, je peux rien acheter. Si, je peux acheter ça, à la limite. Ça vaudrait le coup, peut-être, pour Max. Plus 9 de défense, t'as déjà 16. Ouais, mais t'as pas beaucoup de défense, toi. Ça pourrait valoir le coup de dépenser de l'industrie pour acheter la chitine abandonnée. Moi, je pense que oui. Faut pas négliger la défense. Donc, on va l'acheter.
Tant pis si je tombe à 1 au niveau de l'industrie, je vais me refaire, j'ai 14 derrière. Ouais, c'est utile. Voilà, faut pas rester sans défense. Donc c'est bien, hop. Alors ensuite, j'ai 55 de nourriture aussi. Ça aurait peut-être le coup de faire passer Saranumas au niveau 3. 41, c'est quand même cher. Hein. 41 de nourriture. Alors certes, je gagne 48 de PV. Je pense que je vais attendre. Je vais attendre d'avoir 100 points de nourriture pour pouvoir commencer maintenant à dépenser pour les niveaux supérieurs parce que ça commence à coûter cher. Il faut que je garde ma capacité à me soigner à la volée si besoin avec la nourriture présente ici. Donc il faut pas que je dépense trop d'un coup. Il est vraiment tactique ce jeu, j'adore. Vraiment très tactique. Toujours, on a toujours un tas de décisions à prendre sans savoir si on prend jamais la bonne. Allez, je vais ouvrir cette porte en sachant que ça risque de popper là. Il va falloir que je fasse attention. Hop. Soyez attentifs. Ah, j'ai trouvé un nouveau perso. Et ça ne pop pas. Donc c'est parfait, je vais pouvoir déjà alimenter cette pièce. Voyons voir, j'ai un nouveau personnage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, là j'ai trouvé un autre personnage dans le donjon. Et on peut avoir une équipe jusqu'à 4 personnages. Donc là pour l'instant on n'est que 2. Donc je peux encore trouver 2 autres personnages. Enfin, un autre personnage en plus de celui-là, pour pouvoir composer mon équipe. Donc, voyons voir, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Tu es de niveau 2, tu t'appelles Ikencha. Certaines choses ici sont sacrées pour mon peuple et ma lame tranchante, d'accord. Et donc, je peux le recruter à condition de dépenser 24 points de nourriture. Heureusement, heureusement que je n'ai pas dépensé ma nourriture pour monter mes niveaux tout à l'heure. J'aurais été bien embêté. Il aurait fallu que je protège le personnage, etc., pour avoir le temps de le recruter. Ça aurait pu être chaud. Donc, j'ai de la chance, je peux le recruter. Hop, voilà, ça me fait un troisième personnage dans mon équipe. Et donc une puissance destructrice supplémentaire, c'est pas négligeable. Donc Inchenka, c'est peu de choses sur ce laboratoire dans lequel elle a été élevée. Issue d'une race aviaire de guerriers dont l'ADN a été altéré pour maximiser leur utilité en tournoi d'arène, elle a été marquée psychologiquement par les images et les artefacts de son peuple perdu. Ces derniers peuvent bien être considérés comme du butin par les autres aventuriers. Pour Inchenka, ils lui sont acquis par son droit de naissance. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une capacité active, Inchenka. Une capacité sur elle-même, une puissance de 18, c'est énorme. Et sur une cible, une puissance de moins 15 dans les salles désalimentées. Ah, ça c'est cool aussi ça. Ça permet d'enlever de la puissance sur les monstres si les salles ne sont pas éclairées. Ou elle peut être très utile. Là. Elle a un DPV de base de 546, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça s'appelle le visage de la guerre. Terrifiant pour peu qu'il vous laisse le temps de le voir. Et en capacité passive... Vitesse plus 5 dans les salles qui n'ont pas de courant. Et la probabilité de récupérer de la brume sur les créatures. Ça, c'est vraiment cool aussi. Il n'y a rien plongé dans le noir qui ne soit plus effrayant que vous. Oui. Donc, c'est parfait. Alors, elle, du coup, elle a 29 de vitesse. Je regarde un petit peu ses caractéristiques. 37 de DPS, c'est énorme. C'est énorme. Autant presque que Saranumas. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup j'essaie de voir quel emploi je vais lui donner. Vitesse 29. Alors, je vais quand même conserver Sarah pour ouvrir les portes. Bon mais c'est bien. Donc je vais tout de suite l'envoyer. Alors du coup dans quelle salle? Je vais continuer de défendre à partir de cette salle. Donc je l'envoie ici. C'est parfait. Bon, j'espère encore une fois que l'action reste lisible à l'écran parce que je suis obligé d'avoir un ratio. Je vérifie ça deux petites secondes. Voilà, malheureusement, le jeu ne remplit pas entièrement l'écran. J'en suis fortement désolé. Mais une fois de plus, je n'ai plus qu'un seul écran pour pouvoir streamer. Donc je suis obligé d'avoir tout sur le même écran. Et donc je suis obligé de baisser la résolution du jeu pour pouvoir
avoir tout sous les yeux. Mais bon, a priori, l'action reste lisible. Les écritures, ça reste lisible aussi, j'espère. Sinon, j'essaierai de faire autrement pour le prochain stream, mais c'est que je vois pas trop comment pour l'instant. Ouais, vivement que je puisse me prendre un second écran, parce que là, c'est vraiment handicapant, quoi. Bref, alors... donc, j'ai 15 d'industrie. Voyons voir. Bah, ici, je peux rien construire d'autre. Je n'ai pas assez de points d'industrie, donc on va laisser tomber. Chose qu'il faut que je pense à faire tout de suite, c'est mettre un nouveau module laser, voilà, avant d'ouvrir une autre porte. Et on y va avec Sarah qui va ouvrir la porte suivante. C'est parti, attention, ça risque de popper là et dans la salle que je viens d'éclairer, que je viens d'ouvrir. Non, ça n'a pas popé. En plus, j'ai trouvé un kit de soins, c'est parfait. Par contre, je n'ai toujours pas de brume pour pouvoir alimenter cette salle là, donc du coup, je me retrouve avec deux salles non alimentées. Pourquoi tu ne mets pas quelqu'un dans la salle obscure pour l'éclairer? Oui, je pourrais. Effectivement, Ifrit. Et je suis bien sur OBS, oui. Je pourrais effectivement mettre quelqu'un dans la pièce qui n'est pas éclairée. Le problème... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais... Comment dire? J'ai toujours peur par rapport à la salle que je veux ouvrir, en fait. Si jamais je me fais submerger, je vais être obligé de rappeler... des personnages qui peuvent être parfois fort dispersés, et donc comme ils ont toute leur capacité quand ils sont en groupe, ça peut être vite problématique. Donc pour l'instant, comme je n'ai pas trop de salles non éclairées, je peux encore me permettre de ne pas diviser mes équipes. Mais effectivement, il va peut-être falloir songer à le faire à partir de la troisième salle qui ne sera pas éclairée, quoi. Et puis dans le même temps, pour l'instant, les monstres sont gérables. Donc ça me permet de me faire de la brume aussi. Faut aussi voir ce côté-là. Plus il y a de monstres qui pop et que je reste en mesure de les gérer, entre guillemets, eh bien, ils sont susceptibles de me ramener de la brume et donc de pouvoir éclairer des salles supplémentaires, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de gérer les salles non éclairées de ce point de vue-là. Ouais, mais c'est un choix et voilà, tout le monde ne joue pas de la même manière. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, c'est qu'il peut y avoir plusieurs stratégies applicables selon la façon dont on a envie de jouer. Donc pour l'instant je vais rester comme ça. Alors par contre j'ai toujours pas assez, il me faut 30 points d'industrie, je peux pas mettre un autre module. Ok, je regarde bien, je peux pas faire grand chose d'autre. Donc on va ouvrir cette porte ici, en espérant que ça pop pas trop. Allez, c'est parti, s'il faut je me replie là. Oui, ça pop, attention. Donc je ne vais pas attaquer tout. Oh là, ça a popé ici aussi. Ça a popé là aussi. Alors heureusement ils n'attaquent pas le marchand. Par contre ils m'attaquent ici. Alors attention. S'il faut, je prends les capacités actives. Punaise, ils ont réussi à passer. Vite, allons défendre de l'autre côté. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ça va. Bon, heureusement que j'ai mis des défenses ici sur le chemin. Ça m'a bien servi. Donc, j'ai récupéré... J'ai pas récupéré de brume. Je vérifie avec ce personnage-là. Des fois qu'il y aurait de la brume qui traînerait, mais non, visiblement. Non, il n'y a pas de brume qui traîne. Bon, alors là, par contre, ça commence à devenir problématique. Parce qu'effectivement, j'ai 3 salles à gérer. Qui ne sont pas éclairés. Ouais, donc là, ça vaut peut-être le coup de les séparer. Je vais mettre Max dans cette pièce-là. Oui, absolument, Ifrit. J'ai déjà étiré. C'est déjà étiré au maximum. C'est simplement la résolution du jeu, en fait. Il ne propose pas la résolution que j'utilise habituellement. C'est un peu le souci, d'ailleurs. On peut voir d'ici... On doit pouvoir le voir de là. Voilà, hein, les résolutions, je suis un peu coincé, quoi. Je pourrais évidemment rester en 1280x720. Le souci, c'est que je ne vous vois plus parce que je peux plus voir le chat. Et donc, la seule manière, eh bien, c'est de passer en 768, quoique non, j'ai des bêtises. C'est en 1200x80. Si je prends celle-ci,
Alors, on va essayer, hein. On va essayer, mais je pense pas. J'avais essayé dans les tests, je crois que ça passait pas. Voyons voir. Est-ce que là, ça passe? Est-ce que là, si j'étire. Ah, oh, mais si, ça passe! Est-ce que ça déforme. Par contre, j'ai l'impression que ça déforme un peu l'image. Faut me dire si ça déforme ou pas. Parce que j'ai l'impression que ça déforme. Hein. Ça étire forcément, donc du coup. Enfin, faut me dire, est-ce que c'est plus lisible de cette manière? J'avais pas osé faire ça parce que je trouvais que ça déformait. Non, tu trouves que ça va? Bon, bah tant mieux à la limite alors, si ça passe. Parce que tout à l'heure, par rapport au test que j'avais fait sur mon retour, ça me plaisait pas trop. Je trouvais que les écritures étaient difficilement lisibles. Mais bon, si tu dis que ça passe, je vais rester comme ça, hein. On va faire un essai, hein. Faut me dire si c'est vraiment, si c'est désagréable, faut pas hésiter à me le dire, hein. Je rebasculerai dans la résolution d'avant. Ok, bon bah c'est cool, on va faire ça comme ça. Alors parfait, si vous pouvez mieux voir, moi je préfère. Là, ça me permet quand même de vous suivre sur le chat, donc c'est pas plus mal. Ok. Après, tu as un grand écran sur un plus sur un plus petit, je peux pas prononcer. Ouais, ok. D'accord. Ouais, c'est ce que je redoute un peu, mais bon, je sais pas. Sur le retour, ça m'a l'air assez bon. Alors, attendez, 2 petites secondes. Ouais, ça crée une espèce de flou, par contre, que j'aime pas trop. Hein. Ça crée un espèce de flou. Je ne sais pas du coup, est-ce que je le laisse comme ça? Bon après, ouais, je vais le laisser comme ça, il faut quand même que l'action reste lisible. Il faut que l'action reste lisible, donc je vais peut-être le laisser comme ça quand même. Ça me paraît quand même plus lisible d'une manière générale. C'est pas facile de régler ça comme il faut sur des jeux de ce genre-là, parce que ça reste du pixel art. Donc voilà quoi, du pixel quand on grossit, c'est pas très joli quoi. Bon, enfin, si tu dis que ça va, que ça reste lisible, on va rester comme ça. Donc, on va poursuivre. Donc, ici, on a placé Max dans cette salle. Normalement, ça devrait pas popper. Et du coup, je vais placer. Donc, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Ikencha. On va mettre Ikencha dans la salle ici. Et on va faire ouvrir la porte de cette salle ici par Sarah. Voilà. Je vais dépenser un petit peu de d'industrie pour pouvoir mettre, alors par exemple ici, un autre module laser. Je réfléchis où c'est plus judicieux de les placer, mais ouais, ici ce serait pas mal. Et puis on va ouvrir la porte suivante. Allez, hop! C'est parti. Alors j'espère que ça va pas popper là, sinon on va tous se regrouper ici. Alors ça pop là, donc du coup, est-ce que je peux me défendre ici ou est-ce que j'amène les deux là? Non, elles sont capables de se défendre toutes seules, c'est bien, c'est des grandes filles. Parfait, elles ont géré sans problème. Bon, du coup, j'ai gagné un point d'énergie, donc on va profiter d'alimenter cette salle. On va reprendre Max, on va venir le placer là. Toi, tu vas venir ici, et comme ça, je peux emmener Sarah dans cette salle. Alors, avant toute chose, où est-ce que j'ai encore des emplacements de modules de libre? J'en ai un ici, j'en ai un là, et pour l'instant, je n'ai que 2 modules d'industrie, donc on va tout de suite placer un module de nourriture dans cette salle. Là, je peux me permettre. Donc, je le fais. Voilà. Je passe à plus 9, ce qui n'est pas négligeable. Et on va, comment dire. Ouais, je vais encore mettre un
module laser dans cette pièce. Voilà. Et on va amener Sarah dans cette pièce pour ouvrir cette porte. C'est parti. On va se rejoindre ici s'il faut. Ah, ben j'ai trouvé la salle de l'ascenseur. Ok. Donc la salle est ici. Il va falloir que je transporte le cristal dans cette salle. Alors, est-ce que ça vaut le coup de continuer d'ouvrir des portes? En sachant que j'ai pas beaucoup d'énergie. Hein. Donc je peux encore alimenter cette salle. Et c'est tout. Donc il me reste 1, 2, 3 salles non éclairées. Il me reste 2 portes, 3 portes à ouvrir. Je pense que ça vaut quand même le coup de tester au moins une porte. Par contre là, je... Ah, comment dire, je sais pas. Ça me fait 2 salles qui risquent de popper avec des monstres. Ouais, je sais pas. Parce que là, comment placer mes personnages? Si j'en place un autre ici, je laisse celle-ci sans alimentation. Ouais, on va faire ça. Je vais placer Max dans cette salle. On va ramener Sarah dans celle-ci. Et on va lui faire ouvrir cette porte-là. Mais avant, on va équiper un nouveau module laser. Alors, cette porte, je vais pas l'ouvrir, hein, puisque je sais qu'elle donne... dans la pièce qui mène au cristal, donc on va pas faciliter la vie des monstres en ouvrant les portes partout, hein, bien évidemment. Là, je vais mettre un autre module laser ici, pour obliger les monstres à passer par là, s'ils veulent attaquer le cristal. Et puis ça paraît bien, donc on va ouvrir cette porte, ça, c'est parti. Alors, est-ce que ça va popper là? C'est ma crainte. Oh punaise, ça pop là. On va se retrouver là, toi tu passes ici aussi, hop. On va tous défendre là. C'est peut-être pas très judicieux ce que je fais. Bon, pour l'instant, on arrive à gérer. Alors, par contre, il y a d'autres monstres qui sont passés par là. Donc, on va venir défendre ici. Normalement, ils devraient pas pouvoir passer les défenses. Ouais, c'est bon. Ils n'ont pas réussi à passer les défenses. Ouf. Alors, par contre, il reste un monstre. Ouais, il reste un monstre, effectivement. On va attendre qu'il arrive. J'ai pas emmené tout le monde. Ouais, c'est pas grave. Ok, c'est bon, ça a été géré. Donc je pourrais alimenter cette pièce. Quoique. Ouais, ça servait au même. Là, de toute façon, il faut qu'on l'en passe tous dans la pièce de départ. On va revenir ici. Parce que j'ai plus de pièces à ouvrir ici. Pourquoi t'as pas voulu venir avec eux? Et on va ouvrir cette porte là. Et là, il va falloir défendre la salle du cristal parce que ça risque de popper devant moi. Ça risque de popper derrière aussi. Mais je peux pas me permettre de séparer mon équipe là. Parce qu'il n'y a pas du tout de défense dans la salle du cristal. Et si le cristal est attaqué, je peux perdre de l'énergie. Si je perds de l'énergie, je perds ma capacité à alimenter des pièces. Donc je peux pas me permettre. En nourriture, je suis à 73. On va attendre d'être à 100 pour passer soit Sarah, soit Ikencha au niveau 3. D'ailleurs, elle prend combien, elle? 25 de nourriture pour passer au niveau 3, d'accord. Et elle, 41. Ok. Donc ça vaut presque le coup pour 25 de nourriture. Peut-être que ça vaut le coup que je dépense quand même. Tout de suite, ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais dépenser 25 de nourriture pour passer Ikencha au niveau 3. Je vais prendre quand même 50 de PV en plus. Plus 1 de défense, c'est peut-être pas négligeable. C'est peut-être le moment de le faire, parce qu'après j'aurais peut-être plus la capacité de le faire. Ah, puis j'ai un kit de soins que j'ai... Ah, j'ai plus pensé que j'avais un kit de soins. Donc, le kit de soins, ça me donne 6 de régénération pour elle. Pour lui, 6 également. 6 partout. D'accord. Donc qui est-ce qui a le plus besoin de régénération? On va dire que c'est Sarah, parce que c'est elle qui a le moins de points de vie. Donc on va prendre le kit de soins, on va l'installer ici. Et puis on va revenir sur Ikencha et on va passer donc au niveau 3 avec elle. Allez hop! Voilà, j'ai gagné rien du tout. Oui, c'est niveau 4 que je gagne une capacité passive ici, mais je ne sais pas encore laquelle. Je peux pas savoir. Ok, je vais attendre un petit peu pour lui débloquer son niveau.
Mais là, c'est déjà bien. On a 3, 3 et 2. Ça me paraît pas mal. Alors attention aux monstres qui risquent de popper dans les salles que je n'ai pas pu éclairer. Mais je prends quand même le risque. Je pense que ça vaut le coup d'ouvrir encore la dernière porte ici. Je réfléchis, hein. Ça me fait 1, 2, 3 salles. Je pense que ça reste encore gérable. Donc on va le faire. Plutôt que d'essayer de déplacer tout de suite le cristal. On va prendre un peu plus de risques. J'espère que ça va payer. Croisons les doigts. Ah, il y a du monstre ici. Alors ça, c'est pas bon. On va tout de suite... Ouais, voilà, le cristal est attaqué. Donc on va tout de suite utiliser toutes les capacités pour déglinguer au maximum les monstres le plus vite possible. C'est parfait. Alors c'est dommage d'avoir utilisé les deux capacités en même temps, mais j'ai pas trop eu le choix. Ici, on va défendre là. Par contre, ils vont... Ah, ils attaquent mes cristaux. Ah, ils attaquent mes cristaux. Mes modules, pardon. Donc, il faut que tout le monde se ramène là. Non, c'est bon. Par contre, j'ai... Voilà. J'ai personne qui est en capacité de réparer. Ça, ça m'embête. Parce que là, on voit que le cristal... Que le module est bien endommagé. Si je le perds, il va falloir que je le reconstruise. C'est toujours embêtant. Où est-ce que je peux construire d'autres cristaux? Ah, je pourrais ici. Je pourrais ici, à la limite. Je pourrais désactiver cette salle pour alimenter celle-là. Et comme ça, je crée un nouveau... Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit réplicateur de nourriture, je pense que c'est pas négligeable. Pour l'instant, la science, c'est pas très utile. Parce que je n'ai pas trouvé de cristaux d'apprentissage. Donc on va plutôt mettre la nourriture. J'espère que je fais pas de bêtises. Je vais ramener tout le monde ici, dans cette salle, et on va défendre depuis cette salle. Parce que si jamais ça pop ici, j'aurai le temps de défendre là avant qu'ils atteignent le cristal. J'aurai le temps de revenir, donc c'est bon, c'est pas un problème. Là, on va dépenser un point pour placer un module laser. Par contre, j'aimerais bien quand même trouver rapidement un cristal d'apprentissage, parce que là, mon pauvre petit module laser 1, il va commencer à être rapidement dépassé. Donc, il serait temps que je commence à le booster, quoi. Mais pour ça, il me faut le cristal de science, et pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est pas évident. Allez, on croise les doigts. On va ouvrir cette porte en espérant que ça pop pas trop derrière. Attention. Ah, j'ai trouvé quoi? Ah bah voilà, un cristal de science. C'est parfait. Ouh, punaise, par contre, ça pop partout. On va revenir défendre dans la salle ici. Vite, 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 vite. Ouais, c'est bon. On est arrivé à temps. Par contre, je peux plus utiliser mes capacités actives là. Je vais attendre qu'elle soit rechargée. Je me trompe pas. Ouais, encore deux tours. Alors heureusement, ils se défendent bien, mes persos. Mais mes défenses fonctionnent aussi bien. Donc c'est bien. Au moins, les monstres arrivent affaiblis. Quand ils arrivent sur moi, c'est déjà ça. Ok, donc on va rebasculer dans cette salle. On va réinstaller tout de suite un autre module laser. Par contre, je peux pas alimenter cette salle. Alors, je peux quand même m'y rendre. Hein. Je vais pouvoir m'y rendre même si c'est pas alimenté. Ouais, ça fonctionne quand même. Donc, là, au niveau de l'étude. Donc, il faut qu'il me reste au moins 3 portes à ouvrir. J'espère que c'est le cas. Je vais prendre le risque. Alors, soit j'augmente mon module laser au niveau 2, ça me fait 9 au lieu de 10 en puissance. 10 au lieu de 9, je veux dire. Ou alors j'augmente ma capacité d'industrie à produire plus de modules mineurs ou majeurs. Ça peut être aussi intéressant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui serait le mieux là? Après, j'ai un robot de tir suppressif ici. Ça rajoute 15 de puissance au héros dans la même salle. Il faut que je sois dans la salle. Donc c'est un peu contraignant. Et ici, le gaz poivré qui peut être intéressant aussi. La créature visée attaque les autres créatures pendant 6 secondes. Quand je place ce petit module là, ça désoriente les monstres, enfin le monstre qui est visé.
Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'ai 139 de science, hein, je peux largement en dépenser. Ma seule crainte, c'est de ne pas avoir le temps d'apprendre. Parce que je ne sais pas encore combien de portes il me reste à ouvrir. Donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous avez des avis? Je pencherais bien pour le générateur d'industrie 2, moi. Je pense que je vais faire ça. Je vais dépenser 46 de science pour augmenter le générateur d'industrie 2. Ça peut être intéressant. Je vais basculer de 4 points au lieu de 3. C'est toujours ça de prix, hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. T'es d'accord aussi, Frites? Bah, c'est parfait. Donc, on va dépenser 46 de science. Alors, là, ce que j'espère, c'est que je vais avoir assez de portes. Moi, j'ai déjà celle-là que j'ai pas ouverte. Donc, je me la garde au cas où. Mais il me faut au moins 3 portes à ouvrir pour pouvoir apprendre cette capacité. Allez, on ramène Sarah ici. Je vais dépenser un autre module laser ici. Voilà. Alors, je vais juste regarder un petit peu l'état de mes modules ici. Donc là, ça va, ils n'ont pas été attaqués. C'est ceux-là qui ont été attaqués. Mais bon, ça a l'air de tenir. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue de tenir encore. Donc là, ça risque de popper ici. Donc on va emmener Max dans cette salle pour éviter que ça pop. Voilà. Et on va envoyer Sarah ouvrir cette porte. Attention. Est-ce que ça va popper devant? Non. J'ai trouvé quoi? Ah! J'ai trouvé un petit bonus. Oh punaise! Par contre, ça pop beaucoup de l'autre côté. Donc on va pas traîner. Hop, on va revenir défendre dans cette salle et on ira voir après ce que c'est que ce bonus. Allez, on défend. Bon, pour l'instant ça va. Je gagne de la brume, super. Voilà, parfait, j'ai gagné la possibilité d'alimenter une nouvelle salle, donc on va pas se priver, on va alimenter celle-là. Donc on va revenir ici. J'ai pas regardé s'il y avait. Ah, il y a de la brume qui traîne. Faut venir ramasser la brume là. Il y a de la brume qui traîne. C'est ça que je voulais voir. Vu que j'ai mis des modules ici d'attaque. Voilà, les monstres se font détruire ici, donc c'est important de récupérer la brume. Toujours. Allez, on revient ici. Donc. Voyons voir, pendant 3 tours, je vais avoir un bonus. C'est quoi? Donc, pour les héros à l'étage, j'ai plus 0,5 de nourriture par créature tuée. Il ne fonctionne pas quand le cristal est déplacé, d'accord. Bon, bah c'est toujours ça, hein. On fait toujours un petit peu plus de nourriture. Surtout que là, comment ça se fait que je suis à 0, là? On m'explique pourquoi je suis à 0, là? 0 par tour, alors que j'ai un module ici. C'est quoi le bug là? Comment ça se fait que j'ai 0 par tour? Oui, absolument, Ifrit. Hein. Dès qu'on déplace le cristal, toutes les portes s'ouvrent. Donc, effectivement, ça peut résoudre le problème, mais je ne sais pas si on a assez encore. C'est toujours ça. Salut Toutouille, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Là, je sais pas, je comprends pas pourquoi je me retrouve à 0 là. Alors que j'ai un module qui est censé me fournir au moins 3 de nourriture par tour. Pourquoi là je suis à 0? Pourquoi il fonctionne plus? La salle est alimentée pourtant. C'est quoi ce bug là? J'espère que c'est qu'un simple bug d'affichage. Salut à toi, Scuddy Gaming, comment ça va? Eh oui, tu vois, je suis sur Dungeon of the Endless. Ça me manquait trop de refaire une partie sur ce jeu. Donc vraiment, il fallait que j'en refasse une. Et merci pour ton follow. Ah, c'est... Ouais, là c'est pas évident, du coup, j'essaie de comprendre pourquoi je me retrouve à 0.
de production de nourriture par tour alors que j'ai un module de nourriture. Là, je piche pas trop, là. Pourquoi ça me fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai ce bonus qui me bloquerait la nourriture? Est-ce que c'est à cause de ce bonus? Mais moi, ça va très bien, je te remercie. Et oui, excellent choix, effectivement. Il fallait absolument que je fasse un stream là-dessus, c'était pas possible autrement. Surtout que j'adore les studios Amplitude. J'ai, voilà, je suis un gros joueur de Endless Space. Et donc voilà, c'était, je pouvais pas passer à côté de ce jeu fabriqué par ce studio, c'était pas possible autrement. Donc, bon bah écoutez, on va faire avec. Je comprends pas pourquoi je me retrouve avec zéro. Je pense que c'est à cause de ça, en fait, la stèle ici qui me doit bloquer l'accès à la nourriture. C'est vraiment étrange, hein. Je me souviens pas, enfin je sais pas depuis quand c'est bloqué, mais vu que j'ai 83 de nourriture, visiblement je continue d'engranger les points de nourriture, donc je comprends pas pourquoi. Je me retrouve à zéro là. C'est vraiment étrange. Bon, on va faire avec. Donc là, on est d'accord, j'ai plus de porte à ouvrir. Hein. Donc il me reste celle-ci. Il me reste celle-ci à ouvrir, c'est tout. Et donc ici, il me reste encore combien de tours? Encore deux tours. Donc normalement, c'est râpé. Hein. Normalement, c'est râpé. Parce qu'il me reste qu'une seule porte à ouvrir. Et il m'en faudrait deux encore pour apprendre le générateur d'industrie. Donc du coup, je pense que c'est râpé pour ce module. Hein. Je pense pas que ça va se cumuler avec le niveau suivant. Hein. Ça m'étonnerait fort. Hein. Faudra que je recommence, malheureusement. Tu le trouves particulièrement dur, en tout cas sur la fin. Oui, absolument. Et encore, là, je joue en mode trop facile. Mais malgré tout, c'est très difficile. J'ai quand même réussi, une fois, à faire le run, de faire donc les 13 niveaux, enfin les 12 niveaux plus le toit du donjon, en niveau trop facile. J'ai quand même réussi une fois. Donc là, je recommence encore en trop facile. Parce que je fais ça en stream, donc bon, forcément en stream on n'a pas la même capacité d'attention et de capacité de concentration, mais ouais, c'est sûr que plus on avance, plus c'est dur. Bah, déjà il y a beaucoup plus de salles à ouvrir, donc des fois ça peut être beaucoup plus long pour trouver la salle de l'ascenseur, et ensuite, eh bien, les monstres sont évidemment beaucoup plus nombreux, on a beaucoup plus de difficultés à trouver de la brume et donc des capacités à alimenter les salles, donc forcément ça se corse sur la fin, c'est évident. Bon, alors du coup la stratégie, ça va être quoi là? Je vais ouvrir cette porte là quand même, histoire de voir si ça va quand même me permettre d'apprendre l'étude que je suis en train d'apprendre. Ça m'embêterait fortement d'être obligé de recommencer. Donc je vais ramener mes persos. Alors du coup, je peux pas alimenter cette salle. Donc on va les laisser ici plutôt. Parce que là, ça risque de popper là. Ou alors j'en déplace un. Voilà, tout simplement. Je vais en déplacer un ici. Pour pas que ça pop là. Et je vais ouvrir cette porte avec Sarah. Voilà. Allez, on croise les doigts pour elle. Voilà, c'est des salauds d'avoir appelé ça trop facile. Je suis bien d'accord avec toi. De toute façon, ce jeu, voilà, il passe son temps à nous troller. D'une manière ou d'une autre. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais c'est ça qu'on aime. Alors, je veux ouvrir cette porte. En espérant que ça suffise. Voilà, c'était la dernière porte, on est d'accord. Oui, c'est bon, ça a marché. Parfait. Alors, le fait d'ouvrir la dernière porte, en fait, ça permet de... d'apprendre, en fait, les derniers tours d'apprentissage nécessaires pour l'étude. Donc, c'est parfait. Donc là, logiquement... Voilà, j'ai mon générateur d'industrie 2 pour le niveau suivant, et ça c'est cool. Ça c'est la très bonne nouvelle. Alors, donc maintenant il va falloir gérer le chemin pour aller jusqu'ici. Donc on va pas se prendre la tête. On va désalimenter cette salle pour alimenter celle-ci. Oui, je peux désalimenter celle-là. J'essaie de voir les salles les plus éloignées par rapport au chemin que j'ai à faire. Celle-ci serait judicieuse en fait. Ah oui, mais non, ici j'ai une ouverture. Ouais, bah ça revient au même. Ça revient au même. Ici la porte est ouverte. Hein. On est d'accord.
Ok, bon. Donc on va ramener tout notre petit monde dans la salle de départ. C'est toujours Sarah qui va se coltiner le cristal. Par contre, il faudrait que je... Ouais, je vais désactiver celle-ci. Ouais, je sais pas laquelle du coup. Ouais, je vais désactiver celle-là pour alimenter celle-ci, pour éviter que ça pop là. Et puis, est-ce que je dépense de l'industrie pour placer des défenses? Est-ce que ça vaut le coup? En sachant que les défenses, pour l'instant, je n'ai que ça. Je pense que ça vaut le coup d'en mettre au moins deux encore. Je vais dépenser 6 d'industrie pour au moins placer 2 modules laser ici. Je pense que ça devrait suffire. Parce que évidemment, ça va arriver par là. Et ça va arriver par là. Ah oui, ça va arriver par là aussi, du coup. Donc là, c'est important d'avoir des défenses là, mais ce serait important d'en avoir là aussi. Quoique ça va défendre ici. Ah, c'est pas évident, le choix n'est pas évident là. Je pense que ça devrait le faire quand même. Je vais pas dépenser plus d'énergie, plus d'industrie. J'espère que je ne fais pas une erreur. Ça fait longtemps que je voulais squatter dans les parages. Eh bien, bienvenue à toi. Je t'en remercie en tout cas. Voilà, en tout cas, je suis bien tombé sur ton stream. Par contre, je suis au taf, du coup, c'est chaud. Ah, ouais, d'accord. Bah, essaye de pas te faire piquer, hein. Là en plus, ouais, j'en ai encore pour une petite heure de stream. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible, bien évidemment, cette heure de stream. Donc, bah écoute, essaye de ne pas aller trop souvent aux toilettes pour regarder le stream parce que ça risque d'être suspect au bout d'un moment. Donc, fais attention. Allez, c'est parti. Je vais prendre le cristal. Alors, ces deux personnages, pour l'instant, je vais les laisser ici. Je vais après les déplacer là. Ouais, plutôt, je vais les déplacer tout de suite là. Ce sera plus simple. Ils vont d'abord défendre ici. Et hop, c'est parti. Je déplace le cristal. Hop. Et on est parti. Direction l'ascenseur. Il y a ça pop de partout. Ça pop de partout. Alors, je reprends mes deux persos ici. Voilà, on va venir défendre un peu là. Ouais, pour l'instant ils s'en sortent. Je regarde ici. Ah ouais, c'est bon, on peut déjà sortir. C'est parfait. Ça va, j'ai géré sans problème. Voilà, on est tous dans la même salle, on peut sortir. Parfait. Étage 2, nettoyé. Allez, on passe au suivant. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Tout cela ne me dit encore rien qui vaille. Eh bien oui, moi aussi c'est pareil. Donc je me retrouve avec 49 d'industrie, 103 de science, 83 de nourriture. Ça c'est cool. Je vais peut-être voir pour augmenter le niveau d'un personnage. Ok, bon, allez. Qu'est-ce qu'il a encore à dire? Tout cela ne me dira toujours rien qui vaille. Oui, bah oui, c'est comme ça la vie, hein. Alors, on est parti pour l'étage suivant. J'ai mis le mode audio, ça craint rien. Je suis à mon bureau. D'accord. Bah écoute, j'espère pour toi, ce serait dommage que tu te fasses engueuler à cause de moi. Hein. Donc, on est parti pour le niveau 3. Allez, jusque-là, tout va bien. Bon, par contre, j'aurais bien trouvé un autre personnage, parce qu'on est toujours que 3 pour l'instant. Ce serait bien d'être au moins à 4. D'avoir la capacité maximale de l'équipe, parce que je pense que là, on va commencer à souffrir. Alors, j'ai toujours deux salles que je peux alimenter. Alors, j'ai retrouvé mon niveau, plus 6. Ok. Donc, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Bizarre. Allez, Sarah, tu vas ouvrir la porte qui est derrière toi. Hop, c'est parti. Attention. Est-ce que ça pop pas? Non, ça va, ça m'a pas popé. On va alimenter la salle. Ah, je suis dans quoi, là? Je sais pas, dans un laboratoire. Je crois que c'était les cuisines, mais non, c'est un laboratoire avec des tenues hazmat, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on va tout de suite mettre un module de générateur 2. Ça, c'est cool. On a réussi à l'apprendre. Voilà, ça fait plus 4 à chaque fois. Là, je suis à plus 12, c'est parfait.
on va demander aux autres membres de l'équipe de rejoindre cette salle. On va tout de suite l'équiper d'un module laser. Et on va ouvrir la porte qui est ici. Hop. Comme ça, on va défendre tous de ce côté-là. Voilà, parfait. Tellement de bons souvenirs ce jeu. Tu vas finir par me faire relancer ce jeu aussi. Déjà qu'Elite me démange. Bah écoute, je suis désolé. Mais ouais, de temps en temps, c'est vraiment sympa, quoi. De revenir comme ça sur des jeux comme ça. Voilà, moi j'aime toujours autant, quoi. Et puis voilà, quand on aime les roguelikes, on peut pas s'empêcher de vouloir faire toujours mieux que le score précédent. Hein. Donc tu connais ça, hein, avec tes jeux aussi. Donc forcément, voilà, ça donne toujours envie de refaire un meilleur score. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc on va essayer d'ouvrir cette porte là. Attention, c'est parti. Oh super, cristal de science dès le départ. Alors ça c'est vraiment cool de le trouver dès le début du jeu. Enfin du niveau. Ça c'est cool. On va pouvoir apprendre tout de suite. Ah par contre, créateur de science 3. Ah ça peut être vraiment intéressant, mais je suis déjà blindé au niveau des points de science. Oh, j'aurais bien voulu avoir la nourriture. Donc est-ce que ça vaut le coup là? J'ai quoi? J'ai un pote mécanique. Il manipule et rajoute un point d'astuce sur le module majeur. D'accord. Donc ça ça pourrait être utile pour réparer les modules. Il balance accessoirement donc des blagues, prépare les repas, cire les chaussures et manipule les modules. Est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. En tout cas, ça se place sur un module mineur, hein, sur un emplacement mineur. Donc ça veut dire qu'il sera affecté à une salle et qu'à une seule. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Sept blaster, plus 5 de puissance, non, j'ai déjà un plus 9, c'est largement suffisant. Par contre il fait des dégâts de zone très importants. 100 points de dégâts de zone. Et donc 24 du coup en tout. Ça peut être vachement intéressant. Mais encore une fois, c'est affecté qu'à une seule salle. Donc ça vaut le coup, à condition de ne pas avoir une équipe qui soit éparpillée et qu'on puisse défendre toujours tous au même endroit. Ce qui est pas forcément évident. Et ensuite ici un module neuro-étournisseur, moins 30 de vitesse pour les créatures dans la même salle. Alors les créatures, on parle que des monstres, on parle aussi des héros. Est-ce que ça peut affecter également les héros? Ça vaut le coup ça, mais si ça affecte les héros, je suis pas d'accord. Parce qu'ils mettent bien le déplacement des adversaires proches. Logiquement, ça n'affecte pas les héros, ça peut être sympa ça aussi. Ou alors je relance tout. Je réinitialise l'étude en espérant avoir des choses un petit peu mieux. J'ai 113 de points de science, je crois que je peux me permettre. Hein. Je peux me permettre. Ah, j'hésite. Hein. Parce que le dégât de zone, là, il peut être intéressant, le set blaster, mais comment est-ce que ça fonctionne? Puissance des dégâts sur les deux zones sur les héros, 20. Puissance des dégâts des zones sur les PNJ, 20. Donc c'est vraiment intéressant si on est tous dans la même salle. Je vois que tu streams très souvent, tu bosses à mi-temps du coup. Non, je bosse. Non, je bosse pas à mi-temps, mais je suis auto-entrepreneur en fait. Donc ça me permet d'aménager mes horaires un peu comme je l'entends. Ce qui peut être. Voilà, ce qui peut être sympa pour pouvoir streamer à ces horaires-là, mais voilà, je suis quand même tenu d'avoir certains moments dans la journée où je ne peux pas justement streamer. Donc je profite des moments où j'ai du temps pour le faire. Et c'est souvent le matin et parfois le soir. Parfois le soir. Mais ça reste pour l'instant assez rare. Donc. Moi j'ai bien envie de réinitialiser l'étude. Hein, franchement. Je pense que je vais faire ça. Je vais réinitialiser l'étude. Et voilà. Et ça c'est cool. J'ai bien fait. Du coup on a le réplicateur de nourriture de niveau 2. Bon ça m'a coûté un peu de science mais ça valait le coup. Alors, on a en plus mine test mort 1, puissance 5
Dégâts de zone 35, c'est des mines carrément, ça peut être sympa. Et ici, toujours le pote mécanique. Bon bah, il n'y a pas à tortiller, on va faire un réplicateur de nourriture. Ça valait le coup de réfléchir et de tenter notre chance. C'est cool. Donc, j'ai encore une porte à ouvrir ici. Je peux alimenter. Je vais remettre un module laser ici. Pour qu'à faire, on va défendre dans cette salle, on va pas prendre de risques. Hein. Surtout que là, plus on avance en niveau, plus les monstres ont des points de vie et des capacités de puissance assez fortes. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Donc, je vais éviter de séparer mon groupe, là, maintenant. On va ouvrir cette salle. Ça pop. Voilà, on revient défendre ici. Ok, parfait. Et on a pu récupérer assez de brume pour alimenter la salle suivante. C'est nickel. Alors, on va pouvoir défendre de là. Donc, on va amener tout le monde là-bas. Formidable. J'ai la possibilité de mettre un nouveau module. On va pas se priver. Donc, du coup... qu'est-ce que je mets? J'ai envie de mettre un autre module de nourriture. Pourquoi? Parce que je veux augmenter mes niveaux, là. Je veux augmenter le niveau de mes héros. Donc en l'occurrence, Sarah Noumask a besoin de passer au niveau 3. Donc on va la faire. En plus, je vais débloquer une capacité passive. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai quoi en capacité? Oh super! Elle a la capacité à réparer. Alors ça, c'est vraiment cool. Je peux enfin réparer les modules endommagés. Je pense que ça va me servir. Pansement et fil de fer ne passeront jamais. Ne passeront jamais de mode, oui, évidemment. Donc ça, c'est cool. Je regarde ce qu'elle avait d'autre d'ailleurs. Là, si cette capacité, j'aime bien la capacité placebo parce que ça permet de régénérer les points de vie des autres héros dans la salle, quoi. Quand on est tous ensemble pendant un combat, avant d'attendre la fin du niveau, donc c'est vraiment intéressant cette capacité. Donc c'est bien qu'elle ait ça, elle est vraiment utile cette héroïne. Ok. Donc ça c'est bon. Je suis informaticien, développeur en informatique. Donc je crée moi-même mes propres outils, etc. Enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est dans ce domaine-là que je bosse. Donc ici, je vais pouvoir ouvrir cette porte-là, mais à condition de mettre un nouveau module laser ici. J'essaie toujours d'en mettre au moins un à chaque tour pour éviter d'être dépassé. Parce que des fois, ça peut très vite tourner au vinaigre. Donc on va ouvrir cette porte-là. Et c'est une salle qui est auto-éclairée? Ah super, elle est auto-éclairée. Parfait, parce que j'avais plus d'énergie. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dans les capsules, et à la limite, j'ai pas envie de savoir. J'espère qu'elles vont pas se briser. Donc, on a un nouveau module accessible ici, et deux autres portes. Donc on va emmener nos deux héros qui restent là, dans cette salle. Et on va défendre d'ici. J'ai encore la possibilité de créer un autre module. Je vais mettre quoi du coup? J'ai envie de mettre un deuxième générateur d'industrie. Ça peut être toujours utile. Et on va mettre un autre module de défense ici parce que je veux ouvrir cette porte là. Allez, on est parti. Ah, j'ai découvert quoi? Oh, super! En plus, j'ai débloqué mon réplicateur de nourriture 2 et j'ai un t-shirt. Parfait. je peux alimenter la salle en plus. On va pas se priver. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 20 de défense. Alors, qu'est-ce que ça pourrait intéresser? Par contre, ça m'enlève des points de vie. C'est pas cool. Oh, pour lui, ça peut être très intéressant. À la place de la chitine abandonnée, ça peut être très intéressant. Elle, plus 20 en défense. Voyons voir. Ah, j'hésite. Il a 25 en défense, 23. Ah, je pense que pour lui, c'est plus intéressant. Je vais déséquiper ça
et je vais équiper le t-shirt à la place. Ok. Et maintenant, voyons voir. Est-ce que la chitine peut être intéressante? Ah non, ça défait ça. Ah, moins 4 de DPS, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais pas lui mettre parce que ça va être trop. Là aussi, il y a trop de malus. Ouais, trop de malus. Moins 4 de DPS, non, je peux pas me permettre. Si, si je peux, j'essaierai de le revendre. Parce que là, j'ai trop de désavantages là. Donc, je vais pas l'installer sur quelqu'un d'autre. Tant pis. Au moins, lui, ça lui aura servi. On est d'accord. Ouais, ça lui aura bien servi. Ok, parfait. Donc, on garde ça dans le sac à dos. Et j'en étais où? Je suis sur cette salle qui est un cul-de-sac. Je sais pas quelle est la substance qui se dégage d'ici, de ce mur. Mais on va pas rester là, voilà. Donc, je reviens ici pour ouvrir la porte suivante. Mais avant, j'installe un nouveau module laser ici, voilà. Et on est parti pour ouvrir cette porte-là. Putain, faut que je file en réunion, c'est la loose. Bon stream copain, bonne journée à tous. Ben merci à toi, et bisous aussi, il n'y a pas de problème, tu reviens quand tu veux, quand tu peux surtout. Oh punaise, je n'ai même pas regardé, j'ouvre la porte. Non c'est bon, et heureusement que ça n'a pas popé. Et puis bah écoute, à la prochaine, hein, et bon courage pour ton taf, bon courage, à plus. Donc, on a trouvé la salle du cristal, ça c'est intéressant. Alors il me reste cette porte là ici à ouvrir et celle-ci. Est-ce que je continue dans ce sens là? On va dire que oui. On va essayer quand même d'ouvrir d'autres portes. Hein. Je vais continuer de défendre d'ici. Là on est bien positionné. Je suis à 88, j'attends d'être à 100 pour augmenter un niveau d'un autre personnage. Donc je ne pourrai pas alimenter cette salle, mais c'est pas grave, on va ouvrir cette porte là et on va revenir défendre là s'il faut. Ah, j'ai découvert. Oh punaise, ça pop. On vient défendre ici, voilà. Attention, lui, il essaie de se faire la malle. Voilà. Donc, on a découvert quoi comme cristal? Comme stèle? Le héros ne peut pas manipuler? Non. Pendant 3 tours, je pourrais pas manipuler des modules. Ça, c'est pas cool par contre. Ouais, c'est une stèle de, comment dire, avec une mauvaise influence en fait. Ça peut arriver. Et j'ai toujours pas assez d'énergie pour alimenter la salle. Bon. Donc je vais la renvoyer ici. On va remettre un module de défense dans cette salle et on va continuer de défendre à partir de celle-là. Plutôt que d'essayer de séparer mon groupe. Voilà, on va continuer comme ça. Allez, on ouvre cette porte. Oups, ça pop. Voilà, et ça pop aussi dans la salle du haut. Donc, à la limite, tant mieux. Ça va me faire des crédits. De la brume. Je fais gaffe quand même au point de vie. Non, ça va. Pour l'instant, c'est gérable. Voilà, parfait. Ah, super. Maintenant, je peux alimenter une salle. Donc, on va alimenter celle-ci. On va aller dans cette salle-ci. Rien de plus, je vérifie ailleurs que je ne puisse pas mettre d'autres modules, mais non, on est d'accord, j'avais pas d'autres modules à mettre. Donc on va remettre un module mineur ici, hop. Et on va demander à Sarah d'ouvrir cette porte, c'est bon, allez hop. Ah, j'ai trouvé qui, quoi, j'ai peut-être trouvé un autre personnage, je fais gaffe si ça pop ici, non ça pop pas, ça va, j'ai de la chance. C'est qui lui? Ah c'est un marchand, parfait. Parfait, parfait. Retoutouille, j'ai des petits soucis avec mon débit, pas sûr de rester et de tout entendre. Ah, bah je suis désolé pour toi. Hein. Je suis désolé. Bah écoute, ouais, bah c'est ce que tu peux. Je suis désolé. Là pour l'instant, comme je suis pas encore partenaire sur Twitch, malheureusement je peux pas proposer d'autres modes de résolution. Bah ouais, je suis vraiment désolé. J'espère que ça va aller. Sinon, t'auras toujours le replay, hein. Si tu veux voir un petit peu ce que j'ai fait sur ce jeu. Donc, le marchand, qu'est-ce qu'il a à nous vendre?
des barres énergétiques. Oh, une chose, c'est quoi une chose? Cette étrange chose a été découverte parmi les ruines. Ces radiations améliorent les réflexes et la coordination au prix d'une odeur de porc rance. C'est parfait. plus 2 de vitesse, d'accord. Et le lance-pruneau, ah, par contre, ouais, ça je peux peut-être l'équiper. 14 de puissance, je vais vérifier. Je vais vérifier avant. Oh oui, ça ce serait vachement intéressant. Et ça utilise la nourriture en plus. Et comme j'en ai pas mal, le marchand veut la nourriture. Donc ça pourrait être cool de l'équiper celui-là. Je pense que je vais me le prendre. Je regarde la barre énergétique, c'était vitesse plus 3 et des verrouilles manipulées. Ça peut être cool aussi ça. Manipuler, ça veut dire manipuler les objets, les mécanismes qu'il peut y avoir dans les salles et qui permettent, par exemple, d'obtenir des bonus d'industrie, de science ou de nourriture. Donc déjà, on va faire le petit achat sur le lance-pruneau que l'on va équiper tout de suite. On va pas attendre. Comme ça, c'est fait. Voilà, je l'équipe sur max. Parfait. Là, comme ça, il a un bon DPS. Et je reviens sur mon vendeur. Ouais, j'ai fait venir l'autre, c'est pas grave. Je voulais voir si je pouvais vendre la chitine abandonnée qui me sert plus. Pour 6 nourritures, on va faire ça. Est-ce que je peux acheter autre chose? Donc, du coup, la barre énergétique. La plus 3, plus 2. Est-ce que ça vaut le coup? Qui est-ce qui a en difficulté de vitesse? Là j'ai 50, là j'ai 34 et là j'ai 29. Peut-être pour Ikencha. Ça peut valoir le coup. Sinon, oui, je vais bien, t'inquiète pas, Toutouille. Bah, j'espère que toi aussi. Et puis, bah, bon courage pour ton taf, du coup. Et te fais pas piquer en train de regarder mon stream, ce serait dommage. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'achète pour 60 de nourriture? Je pense que ça vaut le coup, je vais le faire. Je vais acheter une petite barre énergétique pour Ichenka et on va l'installer ici. Voilà, ça lui fait 32 de vitesse, c'est pas négligeable, ça peut servir. Allez, ensuite, donc, je ramène Max dans cette salle pour défendre puisque je vais ouvrir celle-ci. Avec Sarah, le souci c'est que j'ai une, deux, trois salles dans lesquelles les monstres risquent de popper. Et comme je ne veux pas séparer mon équipe pour occuper ces salles là et les éclairer du coup, ça risque de popper sévère. On verra bien. Si ça peut me faire de la brume, ce serait pas mal. Oh punaise, reste pas là. Ne reste pas là. Voilà, ça arrive, attention. On se prépare pour les capacités. S'il y a besoin. Non, ça va. Pour l'instant, c'est gérable. Voilà, mes modules de défense mineure font bien le travail. Donc c'est important. Et par contre, je peux éclairer une nouvelle salle. Donc ça, c'est bien. Je vais peut-être éclairer celle-ci. Et je vais ramener Sarah ici. Voilà, je vais tout de suite dépenser un autre module laser. Alors par contre, voilà, il me reste encore de la place ici, parfait. Je vais toujours équiper dans la même salle pour l'instant. Et puis on va ouvrir la porte suivante. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Du monde qui pop. Donc on revient défendre dans cette salle, tous ensemble. C'est peut-être la dernière du donjon. Parce que je vois que ça rejoint celle-ci. Attention. Bon, ça va pour l'instant, tout va bien. Voilà, j'arrive pour l'instant à protéger correctement mon groupe. Donc pourvu que ça dure. Je peux alimenter notre salle. On va alimenter celle-ci. Sarah va retourner dans cette salle. Je vais à nouveau équiper un module laser ici. Voilà. Et puis quoi? Alors, on va voir. Si cette salle a encore d'autres portes,
Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je transporte mon cristal directement à la salle ici de l'ascenseur plutôt que d'ouvrir toutes les portes qui restent? On verra bien, on va voir ce que ça va donner. Ah, ça n'a pas popé. Attention, je regarde ici si ça pop. Oui, ça pop là, donc on va revenir défendre. Et ici, j'ai trouvé une autre stèle, on verra ce que c'est après. On va d'abord défendre. Allez, attention. Je me prépare à utiliser l'abus verbal si je veux, si j'ai besoin de plus de puissance. Ok. Bon, bah c'est bien. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je peux, je pense, me permettre de continuer d'ouvrir des portes. Ça craint rien. J'ai fait un petit chemin sympa là pour les monstres. Donc, ils se tapent à chaque fois dans mes défenses. Donc, c'est pas plus mal. Alors, évidemment, je vais éviter d'ouvrir cette porte-là. Parce que sinon, les monstres vont faire ça et ça directement sur le cristal. Et bien évidemment, je ne veux pas. Donc, on va ouvrir cette porte-là. Ah, il y en a encore une autre derrière, une autre salle. Est-ce que ça pop? Oui, ça pop. Ça pop là et là. Attention. Alors là, la chance que j'ai pour moi, c'est que c'est une salle auto-éclairée. Mais ça me fait toujours gagner ça de brume. Allez, prêt à défendre. Attention. Je fais gaffe à mes barres de vie là. Mais grâce à sa capacité de régénération, c'est cool, ça fonctionne bien. Voilà, pour l'instant, je me fais pas encore trop submerger, ça tient le choc. Ok, parfait. Allez, tu vas aller là-bas maintenant. Ici, je vais remettre un autre module laser dans la salle suivante. Voilà. J'ai 134 d'industrie, il serait peut-être temps. Est-ce que ça vaut le coup? Il me reste une, deux salles, enfin deux portes à ouvrir. Je pense que ça vaut le coup de mettre encore de la nourriture. On va mettre de la nourriture ici, un module de nourriture. Alors par contre, il n'est pas défendu. Donc je prends un risque, le risque de me faire détruire. Mais sur deux portes, trois portes à ouvrir, ça peut valoir le coup. Ah ben, j'ai pas vu que j'avais encore de la brume à utiliser. Parfait. Bon, je viens de passer en 4G et je peux écouter Pénard. Ah, c'est cool. Mais te fais pas passer quand même, hein. Donc on va pouvoir alimenter cette salle et celle-ci. Ce sera toujours ça pour défendre un peu plus mon module de nourriture ici. Et puis, donc Sarah va ouvrir cette porte. Allons-y. Ah, j'ai découvert quoi? Un injecteur de champ de bataille. Super, on va aller voir ce que c'est. Et en plus, ça n'a pas popé, donc on va pouvoir voir tout de suite ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'injecteur de champ de bataille. Ça sert à quoi? Ça sert à augmenter la vitesse et l'astuce. Alors, l'astuce, c'est pour ouvrir les coffres, les choses comme ça. Une fois plantée dans la terre brûlée, cette puissante biotechnologie convertit les champs de bataille en plaine luxuriante. Sans blague. Donc, qui est-ce qui pourrait bénéficier de ça? Par contre, là, je vois que ça m'enlève 6 de régénération. Donc, non, je ne veux pas pour elle. Pour Max, ça fait plus 2, plus 2. Ça peut être intéressant pour Max. Par contre, pour Inchenka, ça fait moins 1 de vitesse. On va le faire pour Max. Voilà, en plus, il a l'emplacement qui est vide. Donc, c'est parfait. Ça m'empêche pas de bosser en même temps, ça risque rien. Bah écoute, j'espère pour toi quand même, parce que ce serait dommage. J'ai pas envie que tu te fasses engueuler à cause de moi, quoi. Donc voilà, c'est parfait. On a mis le module que l'on vient de trouver, enfin l'équipement que je viens de trouver. Je peux alimenter une pièce. Donc tant qu'à faire, on va alimenter celle-là. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a encore une porte ici. Est-ce que ça vaut le coup que je mette un autre module? Moi je dis que oui. Allez. On va mettre un autre module de nourriture. Là on est à 100. Donc on va pouvoir commencer. Par exemple pour Sarah. Mettre un niveau supérieur. Ça me coûte 52. Pour lui ça coûte 47. Il débloque une capacité passive. Et pour lui et pour elle. Pareil 35. Bah c'est
Ouais, c'est elle qui consomme le moins, hein, donc on va plutôt utiliser le niveau supérieur pour Ikencha, pardon, chaque fois je confonds. Et en plus, ça me débloque une capacité passive, donc on va voir ce que c'est. Voyons voir. Ah non, c'est le niveau supérieur. Non, tu rigoles. Ah, c'est le niveau 5, la capacité passive. J'étais persuadé que c'était le niveau 3, niveau 4, je sais pas, j'ai mal compris. Ok, bon, bah en tout cas, elle est passée au niveau 4. Voilà, on va attendre pour les autres d'être au moins à 100 de nourriture pour pouvoir monter leur niveau. Et donc Sarah va ouvrir une nouvelle porte. Mais avant tout, je vais protéger... Du coup, j'ai remis dans le train ici, en fait. Pour protéger au moins l'accès aux deux modules ici. Ouais, on va faire ça. Allez, Sarah, on ouvre la porte suivante. Attention, on presse défendre. Oh, punaise. Ah, par contre, c'est la dernière porte. C'était la dernière salle. Oh là là, vache. Je me suis pris des dégâts, mais non, ça va. Donc, du coup, voilà, ça risque de craindre pour mes modules, mais tant pis, j'ai plus de porte à ouvrir. Ouais, ils attaquent mes modules. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus de porte à ouvrir, donc on s'en fiche. Ces modules-là ne me rapporteraient de toute façon plus rien. Voilà, et là, prêt à défendre. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort, hein, n'hésitez pas à me le dire. Ok, cool. Bon, ben, on a tout ouvert. Alors, je vais éviter d'ouvrir cette dernière porte. Parce que ça ferait popper inutilement des monstres. Et on va faire le chemin au cristal de cette manière-là. On va le faire passer par le bas. Du coup... Ben, je vais laisser comme ça, en fait. C'est bien, c'est très bien comme ça. Les monstres vont popper ici et là, c'est parfait. Bon, par contre, ça va quand même déverrouiller la porte, hein. Automatiquement, à partir du moment où j'enlèverai le cristal, ça va déverrouiller la porte. Donc, ça va popper là. C'est peut-être pas la meilleure des choses. Et comment faire autrement? Si je veux gagner du temps, il faudrait que je déverrouille celle-ci pour activer celle-là. Ah, mais si, mais j'ai encore... Oh, je suis bête. J'ai encore la capacité. J'avais assez de brume pour allumer deux salles. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va ramener Sarah ici, c'est elle qui va s'occuper du cristal. Et mes deux autres persos... Bah, ils vont aller dans la salle du cristal, hein. On va pas se prendre la tête, on va défendre d'ici. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Hop, tu prends le cristal. Et tu l'amènes ici. Alors attention, ça a popé. Forcément, les monstres risquent de faire ça. Non, ils prennent... Si, ils passent par là quand même. Ils passent par là, forcément. Mais c'est bon. Voilà, hop, on est arrivé, parfait. Tout le monde est là, on peut sortir. Nickel. Voilà, étage 3 nettoyé, on passe à l'étage numéro 4. Allez, il me reste une petite vingtaine de minutes, c'est parfait, on va pouvoir commencer le niveau 4. Et donc, il dit quoi lui à celle ou celui qui fredonne cette chanson, arrête ou je te tue. Bon, c'est bien, par contre, on va commencer avec 101 d'industrie, 83 de nourriture, ça c'est cool. Allez. Allez, c'est cool. Allez. Niveau 4, parfait. Bon, alors, voyons voir. Là, il y a deux portes à ouvrir. Je préfère toujours commencer par celle de gauche. Je suis un peu superstitieux. Et j'ai toujours tendance à commencer par la gauche. On continue. Ça me porte chance. On va ouvrir la porte. Allez, c'est parti. Il n'y a personne. Parfait, on en profite pour mettre mon générateur d'industrie niveau 2. Voilà, ça fait plus 12. Donc, on va tous venir défendre ici. On va rajouter un module de défense. Hop. Voilà, et Sarah va ouvrir la porte suivante. C'est parfait. Voyons voir. Il n'y a personne. Très bien. Et en plus, il y a un coffre. Et j'ai trouvé le manuel de ressources humaines.
En quoi ça consiste? Le manuel de ressources humaines, ça fait plus 6 de défense et ça déverrouille esprit d'équipe. Garantie que vous travaillerez toujours mieux en groupe. Mais oui, mais bien sûr, c'est la clé. C'est la clé. Alors, qui est-ce qui va prendre ça? Sarah, non, parce que ça lui enlève sa régénération et j'en ai besoin. Ici, moins 2 de vitesse et moins 2 d'astuce pour Max. Et pour Ikensha, juste moins 3 de vitesse. Ah, ça peut valoir le coup d'avoir 28 en défense. Ouais, ouais, je pense que je vais le mettre, même si ça défait un peu sa vitesse, ça baisse un peu sa vitesse. Ça peut être intéressant de l'installer pour... Ouais, mais le problème, c'est qu'elle a déjà quelque chose d'intéressant. Non, 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 je vais pas le faire. Je vais le laisser dans le sac à dos, on verra plus tard. On verra plus tard. Donc, je peux alimenter cette salle, c'est parfait, j'avais assez d'énergie. Je peux en plus mettre un autre cristal, on va pas se priver, on va mettre de la bouffe. Et j'ai encore une pièce à ouvrir ici, donc tout le monde va venir défendre là. Voilà, installer un petit module de défense ici. Voilà, et Sarah va ouvrir cette porte, c'est parti. Ça craint rien. Ah, j'ai trouvé une stèle, par contre c'est une stèle négative. Voilà, encore une fois, pendant 3 tours, je ne peux pas manipuler, donc si je trouve un coffre, une connerie comme ça, eh bien je ne pourrais pas l'ouvrir. Et en plus c'est un cul-de-sac, super, tout ça pour ça. Donc je vais quand même l'alimenter pour éviter que ça me pop dans le dos. On va ramener tout ce petit monde dans la salle du cristal pour ouvrir l'autre porte ici à droite. Mais avant toute chose, on va défendre... On va rajouter, pardon, un module ici de défense, au cas où. Pour protéger l'accès à mes modules majeurs. Allez, hop. Sarah va ouvrir cette porte. Il n'y a personne. Pour l'instant, j'ai rencontré aucun monstre. C'est vraiment curieux. Et en plus, c'est une salle auto-alimentée. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Alors, tout le monde va pouvoir rejoindre cette salle. C'est parfait. Et on va pouvoir commencer par ouvrir cette porte. Allez. Par contre, ici, est-ce que je peux mettre... Oui, je peux encore mettre un petit module. Alors, est-ce que je mets de la science ou est-ce que je mets de l'industrie? Science, j'ai largement assez, franchement. Donc, on va plutôt mettre l'industrie. Je vois que j'ai dépassé les 100 points de nourriture. Donc, je vais essayer d'augmenter le niveau de Sarah. Qui débloquerait donc une capacité passive, allons-y, pour 52 de nourriture. Ça va en plus augmenter 50 points de vie, 4 de DPS, 3 de puissance, c'est bien, c'est parfait. Voilà, level up. On est repassé à 63, d'accord. Donc j'ai débloqué quoi? Un euro étourdisseur de poche. Ça réduit la vitesse des créatures à moins 4 quand elles sont dans la même salle que moi. Tant de cibles, si peu de temps. Mais voilà, c'est ça. Bon, bah c'est bien, parfait. Ça pourrait me servir. Je vais mettre un nouveau module de défense ici. Et on va... Ok. Donc on a économisé un éclairage de salle, c'est parfait. On va ouvrir cette porte. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des monstres! Attention! Ça va, ils sont facilement gérables. Je peux alimenter la salle. Et en plus, c'est une salle de modules. Je vais en mettre un autre. Hein, un petit module de nourriture. Voilà. Comme ça, je passe à plus 14. C'est parfait. On va ramener Sarah dans cette salle. Alors, du coup, on va ramener tout le monde dans cette salle. Parce que ça vaut le coup de défendre le cristal. Enfin, le module, plutôt. Et on va mettre un petit module mineur de défense ici. Voilà, parfait. Allez, tu m'ouvres cette porte. Bon, pour l'instant ça va, les salles s'enchaînent dans le bon sens. Ah, alors là c'est un module que je peux manipuler, mais est-ce que j'ai encore le cristal? Non, c'est bon, il s'est désactivé. Parce que j'avais une stèle de malus là, qui m'empêchait de manipuler les objets, donc c'est parfait, tu vas pouvoir le faire. Qui est-ce qui a le meilleur taux d'astuce? 5 ici, 10 pour lui, 6 pour lui, donc c'est Max qui va manipuler. Parce que là, ce module-là, si j'arrive à le manipuler correctement, si je réussis, je peux avoir un bonus ici de gain. Donc ça peut être vraiment intéressant, faut pas que je loupe. Donc je préfère utiliser celui qui a le plus d'astuces, parce que c'est fait pour ça.
Voilà, recouverte de poussière et de brume, l'activé peut être synonyme de richesse ou de mort. Donc pour éviter de mourir, j'utilise le perso qui a le plus de capacité à manipuler les modules. Donc ça me coûte quand même 30 d'industrie, mais ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Allez, on croise les doigts. Plus 19 de brume, parfait. Ça valait le coup. Donc tu vas revenir dans la salle ici. Du coup, je peux éclairer cette salle. Parfait. Je pourrais même mettre un autre module, mais c'est... Ah non, là par contre, j'ai plus assez d'industrie. Ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. Je vais défendre ici avec un nouveau module mineur. Et on va demander à Sarah d'ouvrir la porte suivante. Oh, oh, j'ai trouvé un nouveau membre. Parfait, regardez-moi ça. On va pouvoir passer à 4. Donc c'est la capacité maximale du groupe, mais on va arriver à être à 4. Et en plus, il s'agit de Midzi qui est déjà à niveau 4. Ça, c'est génial. Je suis Midzi, mage et lanceuse de sorts, et je vais détruire tous ceux qui me défient. Non, ignorez cela, c'est l'autre gars. Donc je vais pouvoir la recruter, c'est parfait. J'ai assez de nourriture, 44. Parfait. Voilà, on est 4. On est au max. Donc ça, c'est bien. Ah, je suis content. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme capacité intéressante? Une active, très bien. Une active qui permet de... Donc avec sa folie guerrière, d'augmenter la puissance de 20 sur soi. Et c'est que pour elle par contre. Hein. Distance d'attaque augmentée, délai diminué et ne peut pas se déplacer. D'accord. Ça dure 8 secondes, ça demande 2 tours de recharge. Ouais, le héros gagne en puissance, perd en obéissance. Oui, effectivement. Puisqu'elle joue, joue perso. Donc, elle a aussi une capacité passive, mauvaise compagnie. Qui diminue la diff... Ah non, par contre, ça c'est pas bon, ça. Elle diminue la défense dans la même salle que les autres. Ah non, ça c'est pas bon. Ah ouais, en fait, elle joue très perso, quoi. Au point de diminuer la défense des autres, c'est pas possible. Ennuyante, géniarde, avec une hygiène douteuse. Ah bah alors là, c'est parfait. C'est parfait. Donc, en fait, elle... J'ai presque envie de lui faire jouer le rôle qu'avait Sarah jusqu'à présent. Pour qu'elle reste seule, en fait. Parce qu'elle est pas bonne en groupe. Bon, ben, on n'a peut-être pas récupéré le meilleur élément. Mais je pouvais pas le savoir à l'avance. Hein. Je pouvais pas vraiment le savoir à l'avance. Ça, c'est malheureusement... Ouais, j'avais pas trop le choix. Et en plus, elle est d'accord pour prendre le manuel des ressources humaines. Alors attends, parce que ça le... Ça lui fait déverrouiller l'esprit d'équipe alors que justement elle joue pas en équipe, c'est bizarre. Mais ça lui donne plus 6 en défense. Bon, bah pourquoi pas, hein. Je vais l'installer. Voilà, plus 6 en défense. Donc, du coup, Sarah va revenir dans le groupe. Et on va faire jouer cette nouvelle héroïne. Qui ne pense qu'à elle et qui ne sent pas très bon, mais c'est pas grave. Vu qu'elle est toute seule, elle dérange personne. Et on va lui faire ouvrir la porte suivante. Alors là, par contre, je peux alimenter la salle, faut pas que j'oublie. Voilà. Je pourrais mettre un nouveau module. Non, je vais garder mes points d'industrie. Pour justement. De toute façon, j'ai pas assez, il m'en faut 40. On va mettre un nouveau module de défense dans cette salle. Hop, et donc, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, Midzi, voilà. Midzi, elle va ouvrir la porte suivante. Et c'est un coffre. Elle a découvert quoi? Un bijou anti-gravité. Donc je peux l'ajouter à l'inventaire, c'est parfait. Ça me sert à quoi? Plus 5 de vitesse, moins 5 de défense, c'est pas très utile ça. Ouais, moins 5 de défense, et j'aime pas quand ça touche à la défense. Non, il me plaît pas ce bijou. À la limite, si je peux le revendre, je vais le revendre. J'ai un marchand dans le coin, je me souviens plus. Non, j'ai pas de marchand encore. Et je n'ai toujours pas trouvé la salle de l'ascenseur. Bon, on va espérer que ce soit dans la salle d'après. Donc si je peux l'alimenter, on va mettre un nouveau module laser pour pas se faire dépasser. Hop, ici.
Et puis, bah, tu vas ouvrir la salle suivante. Encore un coffre. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance, je ne trouve très peu de monstres. Ah, c'est quoi ça? C'est un lit qui augmente l'astuce de 3. Un élément d'une triptyque d'artefacts Endless que les scientifiques connaissent sous le nom du moine. Elle ne peut être contrôlée simultanément qu'avec un seul des deux autres artefacts. Ouais, enfin, affidé plutôt. Budget et qualité, d'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment efficace avec les trois ensemble. En attendant, ça donne plus 3 d'astuces. Mais qui est-ce qui pourrait en bénéficier? Ça m'enlève la génération, là ça m'enlève la vitesse. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Surtout que Max, il a déjà 10. Donc gagner un point d'astuce pour diminuer 2 points de vitesse, ça m'intéresse pas. Donc on va garder ça dans le sac à dos. Je peux allumer la salle, donc je le fais. Alors, en plus, je peux mettre un autre module, donc on va pas se priver. Là, je vais mettre quoi? J'ai 16, 17, 5 pour la science, mais j'ai encore de l'avance. J'ai envie de mettre un générateur d'industrie. Hop! Voilà, donc là, on va faire revenir... Zut, je me suis trompé. Midzi dans cette pièce. Voilà. Du coup, est-ce que ça aurait pas le coup qu'on vienne défendre tous ici? Moi, je pense que oui. Même si Midzi ne sent pas très bon, on va quand même se mettre tous ensemble dans cette salle. Ça va diminuer légèrement de ma défense. Mais à la limite, on va la laisser dans la salle suivante. Allez, on ouvre cette porte. Ah, ça pop. On va la laisser se défendre toute seule puisqu'elle veut jouer perso. Voilà, dans la salle précédente, voilà, parfait. Donc c'est bon, elle gère en fait. Hein. Elle gère sans problème. Hein. Elle a quoi comme arme déjà? Je me souviens plus. Elle n'a pas d'arme, d'accord. Donc sa simple odeur suffit à faire fuir les monstres. C'est parfait. Elle se bat au point. Ok. Bon. Alors, on peut pas alimenter cette salle par contre. Donc on va la faire revenir ici. Désolé les gars, voilà. On va mettre un module de défense ici. Et on va lui faire ouvrir la porte suivante. J'ai toujours pas trouvé l'ascenseur. Ah, il y a encore du monde ici. Mais ça va, elle gère. Voilà, hop. Parfait, je fais gaffe à ses points de vie quand même. Voilà, très bien. Donc on peut alimenter cette salle, on va le faire. Et ici... On va mettre un nouveau module laser là, voilà. Et on va lui demander d'ouvrir la porte suivante. Tout va bien. Ah, il y a encore du monstre. On va les laisser faire. Attention quand même à ses points de vie. Parce qu'ils ont tendance à vouloir rester. Elle va se les faire toute seule. Allez, 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 allez. Je te nourris pas, c'est bon, t'as la capacité à résister. Parfait. Je peux alimenter cette salle, mais pas celle-ci. Ok, et c'est un cul-de-sac. Faut que je revienne tout en bas. Ok, bon. Eh bien, on va revenir dans la salle à côté du cristal. Puisqu'il reste 2 portes à déverrouiller. Mais on fera ça dans la prochaine session, parce que là, je suis obligé d'arrêter le stream. Ici, donc... Alors je vais essayer de streamer ce soir, mais c'est pas sûr. Hein. Toujours sur Dungeon of the Endless, donc je vous donne potentiellement rendez-vous ce soir 21h pour poursuivre ce run. Mais ça va être selon ma disponibilité, sinon ce sera donc pas demain, mais après-demain. Après-demain pour le même jeu. Sinon, demain, normalement, demain matin, on devrait pouvoir se retrouver sur Elite Dangerous. Voilà. Merci à tous ceux qui sont passés sur le chat. Merci de m'avoir suivi. C'était vraiment sympathique de reprendre une partie sur ce roguelike génial que j'adore vraiment. Voilà, on reste dans la SF, hein, mais voilà, c'est vraiment sympa. On a un mélange comme ça des genres qui est vraiment, vraiment sympathique.
entre roguelite, tower defense et puis jeu de rôle. Donc c'est vraiment sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et bonne journée aussi à toi, Ifrit. Et puis, je vous donne potentiellement rendez-vous ce soir pour la suite de ce run. On verra si j'ai le temps et la capacité de pouvoir faire un stream ce soir. Voilà. Sinon, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous et à plus tout le monde.